Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira Nera et du réseau MAS, bien entendu. Ce soir, un panneau actu, évidemment, largement consacré aux funestes et dernières élections qui viennent de labourer notre pauvre pays. Et pour évoquer cette situation et bien d'autres, celle de l'Europe et celle des conflits qui nous environnent, un plateau d'experts, un plateau d'élite, un plateau de combat, réuni autour de quelques verres de rosé, hein, parce que ce soir on est au José, voilà. Les voix que vous aimez entendre, les fans en auront pour leur argent. J'ai nommé, pour commencer à ma gauche, mais ça ne veut rien dire sur le positionnement, hein, mon cher maître, monsieur Abosi, bonsoir. Bonsoir. Notre ami monsieur K. Bonsoir. Voilà. Le camarade et impétrant dans ce cercle d'experts, Rémi Martin, bonsoir. Bonsoir à tous. Monsieur Aimant. Bonsoir. On voit ce soir en carburant liquide. Et notre ami Jean-Louis Romagas, qui est à la fois, l'homme orchestre, le technicien et l'intervenant de pointe. Bonsoir. Bonsoir. Et moi, monsieur Aimant, ce soir, je n'appelle plus que chape de plomb. Pourquoi non, chape de lait. J'ai plus, c'est quoi ce nom qu'on entend toujours au Québec, là? Puisque vous en revenez. Je ne comprends absolument pas. Mais il y a un nom comme ça, il y a un nom qui est associé. Le camarade Alain de Québeca Liberata qui nous retransmet ce soir pourrait nous le dire. Il y a chape de plaine ou chape de plomb, je sais plus. Enfin bref, je lui demanderai. Vous savez, c'est pas grave. D'accord, c'était une private. Allez. Le camarade est moins une double vie. Non, c'est pas ce qu'il fait au Québec, mais alors par contre, ce qu'on sait, c'est que ça a mis un... Ça s'en rappelle plus. Hein. Il y a eu un obus de basse intensité qui est passé, on est perdu. Allez, on se reprend. Messieurs, nous sommes à quelques jours d'une belle quinzaine politico-médiatico-rigolarde, qui nous en a appris beaucoup quand même sur notre environnement. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne une première impression synthétique de ces 15 jours de scrutin, des enseignements qu'on peut en tirer. Ensuite, on va détailler différentes lignes de réflexion sur ces élections, qui sont à la fois des élections locales, et ça a son importance, qui ont été amenées à pousser, porter à un échelon national, à dessein, on verra par qui, on verra pourquoi, et qui ont eu les résultats que nous connaissons, que nous pouvons estimer quand même assez novateur sur un certain nombre de plans. Monsieur Abosi, vous ouvrez le bal. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous étions dans des élections départementales, et ce qui est intéressant, c'est que, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, les autres élections locales des années précédentes n'ont pas donné lieu à une polarisation aussi grande. De même, les anciennes élections départementales n'avaient pas vu un ancien président de la République s'engager en campagne et n'avaient pas vu un Premier ministre s'engager à ce point, me semble-t-il, encore une fois. Pourquoi cette polarisation? Pourquoi cette campagne? On sait très bien que tout le monde avait la même chose en tête, c'est quel est le score que va faire le Front National. Fin 2013, j'étais passé chez vous, j'avais évoqué que si le FN ne gagnait pas en 2017, elle serait en 2022. Ensuite, 2014... arrivent les européennes et les municipales, et le FN fait les scores que nous connaissons. Pourquoi il est inéluctable que le FN, non seulement fasse de bons scores, mais que son score ne cesse de monter? Il n'a pas fait. Vous y croyez, vous? J'y crois 100%. D'accord. De façon mécanique. On n'est pas tout à fait tous d'accord autour de la table, je me suis très simplement et mécaniquement. Ce qui est très intéressant, c'est que actuellement, le contexte international, d'un point de vue économique, fait que tout est au vert. Prix du pétrole au plus bas, taux d'intérêt de la dette au plus bas, et taux de l'euro au plus bas. Hein, là, petite dédicace à tous les souverainistes qui nous expliquaient que le seul problème de la France était l'euro fort. Oui, c'est un problème de la France incontestablement, mais les problèmes économiques de la France ne se limitent pas à ça. Mais donc on a ces trois facteurs-là, là, nous sommes d'accord. Et malgré tout, on voit que la croissance française reste quasiment au point mort. Ensuite, deuxième chose, enfin tout ça pour dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance française substantielle dans le contexte actuel, puisque c'est l'Union européenne qui dicte nos normes économiques. Ensuite, deuxième chose, c'est pas ici, c'est pas aux lecteurs de Méridien Zéro qu'on va apprendre que la France est contre-colonisée, qu'il y a une islandisation accélérée de la France, mais ce qui se passe quand même, c'est que donc plus les années passent, plus il y a une augmentation du nombre
d'Islandais en France, et donc cela déborde des zones réceptacles habituelles. Donc mécaniquement, cette migration va amener les gens à voter Front National. Pourquoi ? Parce que cette islandisation des conditions de vie est insupportable pour toutes les personnes qui sont leurs contacts, et toutes ces personnes-là basculent. Donc plus le temps passe, plus le Front National va engranger, parce qu'il est le seul à critiquer dans son discours. On verra ce qu'il fera quand il aura les manettes, parce que je pense qu'il aura tôt ou tard, mais en tout cas dans son discours, c'est le seul parti pour lequel l'immigration, la mondialisation et l'Union Européenne ne sont pas des chances pour la France. Pour tous les autres partis, ce qui tue la France est une chance pour la France, et pour cause, hein, ces gens-là sont anti-France, mais pour le Front National, ces tares sont appelés comme tels. Donc le FN, fatalement, est appelé à engranger. Et donc dans ces élections, nous avons vu ce résultat. Apparemment, je crois qu'il y a eu 62 élus, je crois. Bon, zéro département, certes, mais bon, il y a un mode de scrutin qui n'avantage pas. C'est une élection qui avantage en grande partie les notables, qui n'avait pas de notables. Du FN, il n'y avait pas d'élus. On a tous vu, je crois, ces fameuses affiches, parfois un petit peu ridicules, hein, des candidats FN, faites un petit peu à l'arrache, sur lesquelles le système a profité pour rigoler, hein, bien entendu. Tout ça pour dire que le contexte n'était pas favorable au Front National, mais que malgré tout, il a engrangé, et il a été surtout le premier parti en termes de voix. N'oublions pas que, au premier tour, les médias nous ont dit UMP et droite en tête. C'est faux. C'est pas l'UMP. Ce n'est même pas l'alliance UMP-UDI. Ça a été un autre logo, l'union de la droite, et on sait que, hélas, compte tenu du degré de conscientisation, les symboles ont beaucoup d'importance. Et les gens, lorsqu'ils ont voté pour des listes UMP-UDI, très souvent dans leur esprit, n'ont pas voté pour l'UMP à proprement parler. Donc le FN, à l'issue des élections en termes de voix, est le premier parti de France. Il confirme, me semble-t-il, ses résultats des européennes, et je pense qu'il va... Je pense qu'aux européennes, ces résultats seront encore plus élevés. Mister K. Écoutez, moi, pour ma part, j'ai réalisé une enquête, un peu à la manière de ce que recommandait le président Mao dans le petit livre rouge, c'est-à-dire que je me suis rendu... Je me suis rendu... Je ne suis jamais assez les classiques. Mais bien sûr, je me suis rendu donc, dans un canton du Loiret pour voir de mes propres yeux... Au passage, t'as pas grand chose à faire de tes week-ends quand même. Bah écoutez, c'était très instructif. C'était pour une très bonne cause. C'était très instructif. Ouais, j'ai une maison à retaper puis un fond de jardin à potager. Si Donc j'ai été deux fois sur ce territoire, une fois avant le premier tour, une fois entre les deux tours. Et j'ai pu constater dans les bistrots, dans les restaurants, sur les marchés. Ah oui. Ah, y a un élément de raccord qui permet quand même. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Et bien, la politique, de toute façon, elle se fait au bout du zin. J'ai pu discuter avec les gens de ce canton et l'accueil était excellent. L'accueil était excellent. Ça m'a permis de voir deux choses. La première chose, qu'en effet, le Front National était le premier parti de France sur le terrain. D'abord en termes de présence, parce qu'on a très peu vu les candidats des autres formations politiques qui, en fait, faisaient une campagne de type très oligarchique, c'est-à-dire principalement par le réseau et la tenue, en fait, des divers réseaux décisionnaires localement, puisque ces listes étaient essentiellement composées de l'assureur, du banquier, du notaire, etc. Donc là, il y avait une logique très, très notabilisée de la part des partis, qui est très habituelle de ce scrutin, évidemment. Mais enfin, malgré cela, comme le disait Adrien à l'instant, le Front National engrange. Alors il engrange, il est le premier parti de France sur le terrain, il est le premier parti de France aussi dans les urnes, puisque quand bien même on décompterait uniquement l'alliance UMP-UDI, elle arrive derrière, puisqu'il s'agit justement d'une coalition. Hein. Donc les mots ont encore un sens. Alors j'ai eu la joie de rentrer à Paris à chaque fois avant la soirée électorale, donc j'ai pu voir les mensonges médiatiques en direct, puisque sur les chaînes info, on avait des résultats assez différents de la télé d'État, puisque France 2 s'est livrée à une pièce de propagande absolument ahurissante lors de ces deux soirées électorales. C'était moins le cas des chaînes en info continue, puisqu'elles ont quand même des annonceurs, et il faut qu'elles tiennent la route, parce que si elles sont trop loin du réel, évidemment, les gens se détourneront d'elles. Donc ils étaient un peu plus exacts, encore que la propagande n'en était pas entièrement absente, pour les raisons qu'a souligné Adrien, c'est-à-dire cette espèce d'addition un peu bancale qu'ils faisaient d'union des droites, totale de droite, etc. Donc peut-être qu'à la prochaine élection départementale, on aura Front National et autres. Voilà, on aura un graphique avec deux... C'est pas du tout exclu. Alors ça, c'était la deuxième remarque que je voulais faire sur le mensonge médiatique. Enfin, j'ai pu confirmer donc sur le terrain
les thèses du géographe Guy Luy, hein, qui avait fait ce travail, ces deux ouvrages, La France morcelée et précédemment La France morcelée et plus récemment La France périphérique, voilà, qui confirme cette polarisation dont parlait Adrien et qui en fait s'enracine, s'approfondit, s'élargit, puisque lors de ces élections, le Front National a fait son score historique. Il a fait plus encore qu'aux élections européennes, qui a un scrutin qui est très favorable au Front National. Il a fait plus encore. Et malgré cela, il se retrouve avec très peu d'élus pour les raisons qu'on a soulignées, c'est-à-dire la nature du scrutin. Si le Front National avait pu se présenter à un scrutin comme c'est le cas en Angleterre, où c'est la prime au premier arrivant, c'est-à-dire avec un scrutin majoritaire à un tour, le Front National raflait l'essentiel des cantons. Donc c'est vraiment une question vraiment là de cuisine de scrutin, de cuisine électorale qui n'est pas très passionnante, mais qu'il faut comprendre. Capital, oui, bien sûr. Parce que c'est là que le système se love. Le système se love dans ses logiques, je dirais, un peu techniciennes, un peu technocratiques. Enfin, dernière remarque que je ferai sur ces élections, c'est que la stratégie de Marine s'en trouve contredite, en fait, puisque ce qu'on a appelé un peu rapidement, un peu excessivement, peut-être le gaucho-lepénisme, mais qui a quand même une certaine réalité, c'est-à-dire ce discours très étatiste, très jacobin, très nostalgique d'une France des années 80, d'une France qui irait bien, d'une France qui serait encore dans la queue de comète des Trente Glorieuses, s'est trouvée contredite par la réalité, puisque si le Front National avait été le principal parti conservateur de ce pays, il aurait remporté ses élections haut la main. C'est-à-dire que si le Front National avait créé les conditions d'une véritable union des droites à la base, et que c'est autour de lui que s'étaient faites ces listes d'union des droites, il aurait remporté ce scrutin. Et je ne parle pas ici de rassemblement. Je ne parle pas de rassemblement bleu marine. Hein. Je ne parle pas de rassemblement bleu marine là. Je parle d'un rassemblement des droites locales avec une vraie main tendue aux non-inscrits, aux divers droites, etc. Et en fait, sur le plan du discours même, je pense qu'il y a eu des craintes très profondes dans la part d'une partie de l'électorat, en particulier dans les classes moyennes et chez les retraités, qui sont l'essentiel de l'électorat de l'UMP, et qu'en fait c'est cet électorat-là qu'il s'agit de conquérir, puisqu'on voit que quand le Front National arrive en tête, il peut éventuellement, lors d'un deuxième tour, grappiller entre 12 ou 15% des voix de gauche, mais dans certains endroits, il prend 30-40% des voix de l'UMP au second tour. Donc, c'est bien vers une union des droites autour du programme du Front National qu'il faut faire, et non pas du gaucho-lepénisme. Ok. Monsieur Rémy Martin, alors, vos analyses éclairées. Très bien. Donc vous aussi, vous êtes promené ? Comment ? Vous aussi, vous vous êtes promené ? Je me promène souvent dans le Loiret, étant du cru de la région. Ah, non pas originaire, je vous rassure. Ah, conurbation, ça. Surtout pas. Alors, donc, je retiendrai trois choses, trois constats de ces élections. D'une part, l'hystérie de Valls et de l'ensemble du gouvernement intenté donc, contre le Front National en général. On n'a jamais vu un battage médiatique aussi important. C'était un délire. Peut-être en 2002. Oui, en 2002, encore, ça a été un grand délire. Et encore, c'était lors du point quasiment de non-retour, à savoir l'élection de l'abbé Timonde. Oui. L'occurrence, là, c'était un premier tour avec des candidats peu expérimentés. Donc là, on a vu quand même à quel point le système pouvait forcer la main, justement, sur tous ces candidats du fin fond de la Creuse à trouver au fin fond de leur compte Facebook, il y a 3 ans, un pauvre montage avec un cochon, bref. C'était assez hallucinant. Voilà, les candidats ont été rejetés. On se rend compte, finalement, que ces candidats ostracisés par le système, tant insultés, ont finalement fait des résultats bien plus surprenants qu'on pouvait l'imaginer. Certains sont même passés dès le premier tour, ont dépassé les 50%. Donc voilà, ça prouve pour le coup que les électeurs n'ont eu que faire de ce message colporté par l'ensemble des médias et plus particulièrement par le Premier ministre qui, dans sa maladie, a mené vraiment une guerre sans merci contre le parti de Marine Le Pen. Ensuite, ce qu'on peut retenir, quoi qu'on en dise, c'est une certaine droitisation quand même de la société. On se rend compte que la gauche a perdu, mais alors énormément, bien plus qu'on pouvait l'espérer. Il y a des régions comme la Bretagne, par exemple, qui sont des bastions historiques de la gauche, voire même de l'ultra-gauche, et qui sont passées, pour le coup, soit aux mains de l'UMP, soit dans celle du Front National, ce qui est, pas celle du Front National, mais du moins, certains élus sont passés dans le Front National, voilà, dans ces régions.
Alors, donc ça, c'est vraiment, pour moi, un point notable et quelque chose de rare et qui prouve bien que la société est en train vraiment d'évoluer à ce sujet. Troisièmement, on en parle peu, je ferai remarquer la supercherie des instituts de sondage qui promettaient, qui mettaient justement le Front National à plus de 30, 31, 32, voire même 33%, qui le place à 30%. 40, hein, si mes souvenirs sont bons. On a même entendu parler de 40. Hein. Voilà, c'est ça, 35-40, donc en fait le système est très fort parce qu'il a réussi à mettre le Front National au-dessus des espérances et donc ensuite on s'est... lorsqu'on écoutait les discours politiciens de l'UMP, voire même du PS, le soir après le premier tour, c'était presque une victoire, c'était une réussite. Voilà, le Front National n'a fait que 25, 26, 27%, c'était voilà, mission accomplie, le Front on a fait barrage, notre stratégie a gagné, on est arrivé à les stopper, ouf, la République est sauvée, donc tout va bien. Donc voilà, c'est ces instituts de sondage qu'il faut aussi pointer du doigt et qu'il faut... sur lesquels il faut bien montrer le mensonge qui s'est opéré. Voilà. C'est important, mais une vraie stratégie médiatique qui a été longuement pensée là-dessus. Tout à fait. Donc ils ont, je dirais, réussi leur opération, malgré tout. À moitié. Ouais, je pense que le résultat de terrain est moins évident. C'était pas espéré, c'est pas celui qui était escompté, mais... Mais eux, ils se sont... ils sont fait plaisir. Ils ont fait une tentative de se rassurer eux-mêmes, en fait. Tout à fait, c'est bon. La droite nationale était tord de vue, ou bien était plutôt écartée, donc on a réussi le travail. C'est vrai. Mister Aimant. Oui, alors également quelques points. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué par Adrien, mais qui, moi, ne me paraît pas du tout anecdotique, mais au contraire symptomatique. C'est le mépris qui s'est prononcé, qui s'est exprimé dans cette campagne de la part des partis institutionnels envers le peuple français. Cette histoire de justement de moquerie sur les candidats du Front National, sur un certain nombre d'affiches, parce que les candidats du Front National ne correspondaient pas aux stéréotypes auxquels nous sommes habitués, de gens ripollinés, de gens bien coiffés, de gens sortis des classes supérieures de la société, est absolument odieux, insupportable. C'est... ça a été relayé sur les réseaux sociaux, parfois même par des gens de notre bord qui disaient « Oui, vous avez vu la tête des gens qu'on présente, etc. » C'est vraiment quelque chose que je trouve absolument odieux parce que, justement, ça prouve qu'on a perdu un certain sens du réel. On est tellement habitué à voir des candidats qui sont des clones de gens sortis des écoles de commerce et de l'ENA, qu'on n'est plus habitué à voir des gens qui ont des têtes, en effet, d'épiciers, de bouchers, des têtes qui sont des têtes normales. Parce qu'en fait, c'est qu'ils ont pas, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu la France. J'ai fait un petit tweet là-dessus rigolo en disant que toutes leurs remarques, finalement, ont ramené une chose, c'est qu'ils ne sont plus dans le réel depuis longtemps. À force d'être dans les séries télé, dans le profilage, comment s'appelle cette espèce de truc horrible, là, les ch'tis à Pétaouchnok, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, avec des tronches de dernier de la classe, le QI d'un pois chiche hémiplégique, etc. Mais le dieu grec, voilà, le type il se présente avec sa queue de cheval ou avec sa barbe de trois jours, bah c'est un Français, les enfants. Faut le regarder en face, hein. Merci l'oligarchie. Et ça, c'est, pardon, pour moi, ça a été tout à fait révélateur et ça s'est confirmé dans de nombreux discours, dans les discours notamment de Manuel Valls, quand il parle des petites gens, parce que les gens qui votent pour le Front National sont des petites gens. Alors, dans la bouche de quelqu'un qui se prétend socialiste, c'est curieux ce genre d'expression. Et tout ça a conforté quand même une idée d'un mépris général de l'oligarchie pour le peuple qui moi m'a profondément marqué au cours de cette campagne. Un autre point, alors on a assez grand désaccord avec Monsieur K, c'est sur la question de la droitisation ou de l'union des droites, etc. On a vu par exemple au deuxième tour des confrontations Front National Parti Communiste. Où l'UMP avait été éliminé au premier tour. Mais si on faisait le total des voix FN-UMP, on arrivait à plus de 60%. Or, c'est le candidat communiste qui a été élu. C'est-à-dire que l'UMP a massivement, dans ses circonscriptions, voté plus pour un communiste plutôt que pour un Front National. Donc je ne suis pas du tout persuadé que le réservoir de voix du Front National soit l'UMP, parce que la bourgeoisie UMP préfère voter pour des candidats communistes que pour des candidats
du Front National. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Front National est en train justement de devenir, pour le coup, d'incarner enfin véritablement le slogan « ni droite, ni gauche ». Je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les propositions du Front National un éventail d'électeurs qui dépasse très largement le cadre de la droite et que ce serait au contraire, à mon sens, une erreur de rompre avec la ligne sociale du Front National, qui est de rassembler tous les patriotes au-delà des considérations de parti. Je ne crois pas du tout à l'union des droites, parce que je crois que le Front National n'est pas un parti de droite et n'a pas vocation à être un parti de droite. Et on va au contraire, et là je suis tout à fait d'accord avec le discours de Marine, vers une bipolarisation entre un magma qui sera UMP, qui sera un grand parti UMPS, et un parti patriote. Et je pense que c'est cette ligne-là qu'il faut tenir, plutôt qu'une union des droites. Et qui me paraît, encore une fois, une erreur stratégique de toujours essayer de récupérer cet électorat bourgeois, centriste, etc., qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec nos aspirations et nos valeurs. Donc sur ce point-là, et sinon je voulais juste revenir, mais ça a déjà été dit, mais c'est quand même intéressant, sur l'incroyable présentation médiatique de la soirée des élections. Je pense que pour tous nos amis de la réinformation, des bobardeurs, c'est vraiment du pain béni. On a vu une soirée électorale, surtout le soir du premier tour, digne des grands temps de l'Union soviétique. Quoi. C'était hallucinant de tricherie, de manipulation. On a rarement vu ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve qu'ils commencent quand même à perdre... Pour faire des manipulations aussi grossières, ça veut dire qu'ils commencent quand même un peu à perdre les pédales et à avoir peur. 10% d'écart pour le PS en fonction des médias. Ce qui n'est quand même pas rien. Si je peux me permettre... On finit le tour, si ça vous embête pas, monsieur Abosi. Oui, bah, Jean-Louis. Ouais, alors, deux choses. La première, c'est sur le Front comme parti qui porte le visage du peuple. C'est vrai qu'il le porte tellement bien, et c'est vrai qu'il le porte bien, parce que... C'est qu'il va mettre une Valdale. Il le porte bien, parce que évidemment, quand on a regardé, il y a eu, vous savez, ce sondage, pour regarder un petit peu la répartition sociale des candidats et des électeurs du Front, ça confirme une fois de plus ce qu'on sait, à savoir que les classes supérieures et classes, on va dire, étant passées par des études supérieures, sont sous-représentées au Front National par rapport aux autres partis politiques. Ah oui, ça, on a bien insisté dessus aussi dans les médias. Voilà, clairement. Et en effet, la population, voilà, tout à fait. Alors, la population des candidats et des électeurs du Front National, c'est surtout des ouvriers, des petits employés, des petits fonctionnaires, pour un pourcentage qui est tout sauf négligeable. Donc, le Front National, c'est ça. Le problème, c'est que c'est aussi en train de devenir autre chose. Et moi, je l'ai vu dans un canton du 93. C'est que le Front National, dans le 93, il était à l'image du 93. C'est-à-dire que les deux candidats, le monsieur avait pris un gros coup de chaud. Il s'appelait Michael, je ne sais plus comment, mais... Oui, j'ai vu l'affiche. Il venait de très loin. En tout cas, il est peut-être né ici, mais ses origines étaient de très loin. Et sa suppléante, qui s'appelait Raissa Moussaoui, je crois, elle aussi avait des origines qui venaient de loin. Si je puis me permettre, excellente blague sur Twitter, un mec qui avait reposté cette affiche et qui a marqué en dessous « La France au fond, c'est... » Oui, mais voilà. Alors, je ne sais même pas si c'est celle-là, parce que j'ai l'impression que... Effet de la France au fond, c'est... D'accord. Parce que dans tous les cantons du 93, où le Front s'est présenté, c'était soit complètement ça sur les deux, soit ça sur l'un des deux. Alors, je vois tout à fait l'aspect tactique. Après, c'est vrai que ça faisait contraste avec l'affiche du Front de Gauche, par exemple, où là, ce n'était que des Français d'origine européenne. C'est rare, parce que le Front de Gauche est le grand parti immigré, quand même. Dans ce canton-là, en candidat officiel, parce qu'après, dans les suppléants, il devait y avoir une nana d'origine maghrébine et une autre nana, je sais pas d'où. Mais bon, voilà. Et donc le Front, en effet, il est en train de devenir, en effet, l'image du peuple, alors de tout le peuple.
Et donc ça, évidemment, c'est pas forcément selon hein, comment on se positionne par rapport à ça. Bah, y en a qui vont trouver ça très très bien. Y en a d'autres, j'en ouais, connais. Dans nos auditeurs, pas des masses. Non, dans nos auditeurs, pas des masses. Mais voilà, mais voilà, moins. Cosmocrate. Moins. Et c'est quand même, inquiétant malgré tout. Voilà. C'est inquiétant sous les. Ça traduit une situation qu'on connaît bien. Même si Marine s'en défend et qu'elle y trouve un côté complotiste, c'est une réalité. Voilà, il y a un remplacement, qu'on le veuille ou pas. Voilà, visiblement. Il paraît que c'est un fantasme. Ouais, le front, visiblement, s'y adapte aussi. Donc, Il s'auto-remplace. Voilà. Alors, moi, j'ai deux, trois remarques qui vous permettront, messieurs, d'exposer vos griefs et vos différences. Je rappelle quand même que ces départementales sont les premières élections sans objet. Parce que ce que tout le monde a oublié, c'est qu'elle s'appelle maintenant départementale, donc avant cantonale. Ça veut dire qu'elles ont été refondues, que la carte électorale a été refondue, que le mode d'élection a été refondu, puisqu'il faut un et une, hein, ne l'oubliez pas, on a voté pour un binôme sexué. Et qu'ensuite, nos braves conseillers départementaux n'ont toujours pas de cadre de travail établi, puisque la loi d'application n'est pas encore sortie. Donc c'est quand même la première élection de l'histoire de la 5e République et plus largement même des trois républiques précédentes, pour laquelle on a élu des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire et quelles seront leurs compétences. C'est pas la première fois qu'on... Des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, c'est un peu le courant de l'élection. Ma fourche à l'anglais, là, c'est toutes les élections. Par contre, qui n'ont pas de base ni légale ni réglementaire à leur non-activité, si tu veux. Ça, c'est jouable. Et voilà, donc ça, c'était quand même un préambule. Oui. C'est drôle, quand même. On a voté, on a envoyé des gens dans les assemblées, et puis les mecs, ils sont là, bon, allez, les gars, on fait quoi? On fait un baby-foot, on joue au loto, il y en a un qui a acheté un carré d'as, machin. Bref, bon, ça, c'était quand même intéressant. Deuxième point qui m'intéresse, moi, à propos, et notamment à propos du Front National, c'est que, évidemment... Je ne reviens pas sur les scores historiques. Hein, on est passé de 1 à 62, ça tout le monde l'a oublié, en représentant, etc. Il y a une vraie progression. On a noté quand même une chose, une avancée substantielle. J'y reviendrai dans deux secondes. Mais je mettrai un petit bémol qui est celui quand même de... moi, ce que j'ai trouvé de... Alors là, je suis en désaccord avec M. K. J'ai trouvé que les mecs au local n'avaient pas fait beaucoup de campagne. C'est-à-dire que bien souvent, dans les bleds où je me suis baladé, pas dans le Loiret, mais en Normandie, les candidats des partis majoritaires avaient des réunions publiques annoncées et aucune pour les pairs Front National. Ah oui, mais ça, c'est une consigne nationale qui était donnée, pas de réunion publique. C'est une catastrophe. Alors, moi, ça, c'est très intéressant parce que pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire. Ne faites pas campagne. Un autre des écueils de Marine, c'est qu'elle ne veut pas d'implantation et de travail local. Or, au bout d'un moment, eh ben, si on veut des élus, les gens s'étonnent. Alors, sur les réseaux sociaux, les réacs, les faf, les de tout poil, hurlent en disant les Français sont des cons dans le Sud-Ouest, ils ont voté à gauche. Oui, mais mes petits pépères, le mec qui est là depuis 30 ans, radical, cassoulé, qui soigne son électorat, qui va trinquer 42 coups entre 11h et 14h dans les 30 bars qui environnent sa circonscription, lui, il va être élu. Pourquoi? Parce qu'il est au terroir, il est au taquet, il est au terrain. On peut pas faire des élections au local. Après, Front National, vous mettez une raquette de tennis pour une élection nationale, elle est élue. Mais au local, il faut quand même de l'implantation, oui. Il faut quand même du réseautage, il faut quand même un travail de terrain, il faut aller voir l'usine qui va fermer, serrer la louche du dernier boulanger du village de Trucmuche, le soutenir. Sans ça, on arrive à une limite. Et en plus, je termine mon cher ami, si en plus on joue avec les règles de l'ennemi, qui sont un découpage toujours défavorable et des pourcentages de voix encore plus défavorables, je rappelle quand même que le PC a deux fois plus d'élus que le Front National, hein, des circonscriptions, un machin, des mecs à 85 000 voix qui n'ont pas un élu, l'autre il en fait 7 000, il en a deux. Bon bref, si en plus on joue avec les règles de l'ennemi dont on sait qu'on gagne difficilement, hein, en jouant avec des règles qui ne sont pas les nôtres, bon, qu'on n'a aucun moyen de les modifier et qu'on ne fait pas de travail de terrain pour avoir, pas 62, mais 162, 362, 562, voilà ce qu'il aurait fallu. Ça veut dire que depuis des années, le Front aurait dû taper à coups de pioche ses petites niches dans chaque bled. Bien il sûr. Ne l'a pas fait. Le Front National se gère comme une boîte de com. Bah, une boîte de com, je suis désolé, elle n'est pas faite pour élire des élus de terrain. Voilà. Surtout qu'une boîte de com, bon, en l'occurrence, le problème, pour rester terre à terre, c'est que le programme des candidats était unique. À savoir qu'un candidat se trouvant dans la Sarthe, se trouvant dans le Var, se trouvant où vous voulez,
en Bretagne, en Lorraine, était le même. En fait, c'était un programme national, donc qui ne visait pas du tout le local. Bah, on est bien. Et de ce fait, on ne peut pas conquérir un électorat si on ne parle pas des choses qui les préoccupent avant tout. Deux points pour terminer. Après, je ne vous embête plus. Je vous relance sur justement ces choses que je positionne. Je plus sois sur la haine et le fiel de la nomenclatura qui a vraiment craché sur le candidat du peuple, la queue de cheval, le gros nez, le menton qui tire, en fait, etc. Ils en ont pris mais plein la figure sur les sites web de l'oligarchie, ça c'est clair. Je note quand même quelques trucs positifs, à savoir que l'Ouest, qui était une terre de mission, bah, vraiment un truc de... Voilà. Je regardais justement la Normandie, qui est la région qui me préoccupe le plus, puisque j'y habite. Elle a entièrement basculé à droite, et le Front y a fait des scores assez exemplaires. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, qu'elle ait basculé à droite, je m'en fiche, mais elle était majoritairement à gauche. Genre, on est quand même dans le fief de Laurence Fabius, dans toute la paysannerie de gauche, etc. On a quand même des basculements importants. Dernier point, enfin avant-dernier point, donc l'Ouest balèze, voilà ce que je voulais dire. Ce qui me rassure, c'est juste un petit message pour le 93, c'est quand même le département de France où on a le moins voté pour la totalité de l'élection. Hein. C'est vrai, mais le Front, il a fait 16%, voilà. Par exemple, en moyenne, hein, 16-18%. On se demande quels sont les Scandinaves qui ont pu voter Front National. Bah, il y a un vote très... Immigré, très... mais bien non, sûr. Non, mais qui est presque... Ouais, c'est évident. C'est juste une butte témoin, quoi. Oui. Mais c'est les Arabes qui en ont marre de se faire voler le pain par les Noirs. Non, mais c'est ça, là. Voilà, ils étaient les deux sur l'affiche. Voilà, c'était... Oui. United Color of Fenton, hein, quand même. Bon, bref. Et moi, j'avais quand même un truc que vous avez tous oublié de signaler, qui me paraît quand même assez important, malgré la stratégie médiatique, malgré tout ce qu'on veut, malgré les couvertures qu'on a tirées dans tous les sens, il y a quand même pas loin de 50% d'abstention, les gars. Quand on ramène notre élection, nos deux tours d'ailleurs, puisqu'il y a des projections qui ont été faites et qui sont intéressantes à mettre, vous savez, en représentation graphique, on s'aperçoit qu'on a des scores énormes. Si on les ramène à l'abstention, le FN fait 12%, l'UMP fait 9%, le Parti Socialiste fait 6%. C'est-à-dire, sur un électorat complet de gens qui auraient dû se déplacer, la plupart des mecs ont été élus avec des miettes, avec des chips partout, quand même. L'UMP fait 3%, parce que l'UMP tout seul, avec les scores, là, il a fait 6%. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, quand même, sur cette affaire-là, c'est que... Et moi, je dirais que le grand gagnant, c'est quand même les Français dubitatif. Et je mettrai une petite cartouche au Front, c'est qu'il n'a pas réussi à récupérer. Personne n'a réussi à récupérer tous ces mecs. Alors ces mecs, moi je les ai vus aussi, je suis allé dans les bars, hein, on traîne beaucoup, nous, Méridien Zéro, on fait journaliste de terrain, hein, à coups de jaune, hein, de petits... Calva, là. Café Calva. À Sorbonne, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà, exactement. un salut aux copains de la Roumardière, d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. On est dans des endroits durs, hein, difficiles, terroirs, on récupère quand même de l'info, à savoir que les gens... gauche-droite confondue, en fait, ça suffit, quoi. Ils en ont un peu plein le dos. Mais aussi, ça nous montre une chose, c'est que le système a gagné dans une certaine incrémentation du discours FN égale haine, FN égale danger. C'est-à-dire que même les mecs qui auraient pu être prêts à le faire sont quand même retenus par une espèce de réflexe pavlovien, pas bouger. C'est pas un bouger, réflexe pavlovien. Pas bouger, pas bouger. C'est un réflexe pavlovien. J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, oui, mais quand même, j'aurais bien fait, mais j'aurais bien tenté, mais le FN, c'est la haine. Le type, il sort ça, on dirait qu'il sort un credo, et puis ça le soulage d'ailleurs de le faire. Donc là aussi, il y a une limite. Il y a une limite qui est très intéressante. Est-ce qu'elle ne va pas devenir une forme de plafond pour le Front National ? D'où mon cher Abosi, mon questionnement quant à la progression inexorable. Moi, je vois que l'abstention, elle est stable. Elle est presque à 50% partout, tout le temps. Et c'est lourd quand même, 50%. C'est un mec sur deux qu'il faut convaincre. Hein. Il y a du boulot là, par contre. Partout. Voilà. Qu'il faille reprendre. En fait, il faut distinguer les deux problèmes. Hein. C'est-à-dire la question des abstentionnistes. J'ai lancé plein de choses. La question des abstentionnistes et la question des votants. Et la question donc, du plafond vert est capitale. On le voit que donc, le Front en gros a pris 10% hein, ces dernières années. Oui. Il l'a pris essentiellement sur un électorat de gauche. C'est un secret pour personne. Oui. Hein, très vrai. Bah. Les régions dont je parlais ne sont pas très à droite. Pour passer à l'étape au-dessus, moi, je partage la vue de M. K. C'est-à-dire que ça passera par la droitisation du discours sur les valeurs, sur la question des valeurs. Xavier évoquait la nouvelle Bibopalma. Absolument en désaccord avec ça, mais... J'y arrive. Xavier évoquait
la nouvelle bipolarisation à laquelle il l'appelle. Mais cette bipolarisation n'aura lieu que si l'UMP disparaît. Et l'UMP disparaîtra si le Front National lui fait le baiser de la mort. C'est pour ça qu'il faut s'allier avec lui. De la même manière que Mitterrand a fait le baiser de la mort au Parti communiste. Merci. Ouais, sauf que je ne pense pas que l'UMP soit en parallélisme complet avec le Parti communiste. Je termine juste un truc. Il y a eu un article assez intéressant de Le Gallou. De Le Gallou sur Polémia qui évoquait que justement il y avait eu un mauvais report de voix. Je me souviens bien de cet article. Il y a eu un mauvais report de voix de l'UMP. C'est pas pour rien, c'est parce que Sarkozy est revenu sur les terres du FN avec les questions bidons des cantines et compagnie. Oui, beaucoup de gens sont tentés par le vote FN, mais vote UMP. Beaucoup de gens sont sur la ligne FN, mais vote UMP. C'est triste à dire. Ah, moi, je suis pas fait ricaner. Ah non, mais c'est du vécu. C'est, non, mais je suis bien d'accord, mais il y a un truc que vous oubliez tous là, c'est que la France est un pays de vieux cons. Désolé pour les vieux, hein, mais les vieux votent, ils ont le droit de voter. Mais ils votent pour la retraite bien tassée de 40 ans de boulot sans chômage. Ils votent pour tout un tas de complémentaires et autres et de pognon que nous n'aurons jamais parce qu'on est des générations plus pauvres que les précédentes. Pourquoi ils ont voté UMP, les anciens ? Pour ne pas sortir de l'euro. À cause de l'euro. Ils ont voté UMP parce que c'est le seul parti qui protège le pognon. Mais oui, c'est des épargnants. C'est tout à fait le fait. C'est ce que je viens de dire. On fait du push. Pense que la question de l'euro est une question centrale. Moi, je me suis battu pendant 10 ans pour qu'on ne rentre pas dans l'euro. Pour qu'on en sorte. Enfin, on était encore à mi-chemin parce que l'euro avait été décalé, etc. Donc, bon, un jour, t'as vu l'euro. Bon. Non, on avertissait les gens sur les dangers de l'euro. Puis ensuite, quand il est arrivé, on a demandé si on en sort. Pas la totalité de la question. Non, je le crois aussi. Je crois que c'est pas toute la totalité de la question. C'est bien évident. En revanche, il y a une chose qui est sûre. Moi, je suis pas un démocrate, mais si il s'agit d'aller aux élections et de remporter des pouvoirs, de reprendre des pouvoirs au pluriel, alors il faut jouer selon les règles. Tu l'as dit tout à l'heure. De l'ennemi. Absolument. Bon. Mais donc il faut labourer. Il faut labourer. Attention et ensuite. Ce que tu dis, on a parlé d'électres tout à l'heure. Il faut labourer. Et puis ensuite, il faut aussi. Il faut être un peu habile. Je suis désolé, mais la question de l'euro est une question extrêmement anxiogène pour les épargnants et pour les retraités. C'est pas l'euro donc, qui a décidé du vote des retraités. Je vais te dire. Moi, je l'ai vu. Je vais te dire. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai discuté avec des candidats. Enfin, pas des candidats, pendant avec quelques personnes qui tractaient. Une personne, en fait. C'est la seule qu'on a croisée sur le marché, d'ailleurs. Qui tractait pour l'UMP, qui nous disait. Vous avez un programme d'extrême gauche. Alors évidemment, c'est de la propagande, c'est une propagande grossière. Ça fait quelques semaines qu'il le déroulait. C'est une propagande grossière. Il n'en demeure pas moins qu'il y a suffisamment d'éléments dans le programme du Front National qui sont des éléments jacobins, étatistes. Il ne s'agit pas de l'État social, là. Il s'agit de sauver la retraite à 60 ans, ouais. De sauver les 35 heures, etc., etc. Je ne crois pas que ce soit sur un programme de micro-conservatisme social qu'on va remporter le morceau. Je crois que les Français ont envie maintenant. Qu'on prenne en considération l'effort considérable qu'ils font. Et je crois que lier la question du travail et la question de l'immigration, capital. Ce sera la clé du succès. Je ne crois pas du tout que les centres-villes protégés dont parle Guy Louis voteront Front National un jour. Je crois que, et donc il faut abandonner, il faut avoir les mêmes logiques que Terra Nova. Il faut abandonner dès maintenant les électorats qui de toute façon ne viendront à nous que sur la question identitaire. Et ils viendront à nous sur cette question identitaire parce que c'est une question, la contradiction principale, c'est la question principale à laquelle a affaire la France. Et donc ils voteront uniquement sur ce sujet. Il faut compter sur ce sujet-là, mais il faudra bien qu'à un moment donné, les Français qui, eux, vivent de leur travail, soient pris en considération par le programme du Front National. Tous les commerçants que j'ai rencontrés ne m'ont parlé que d'une seule chose. Tous les gens sur le marché, des petites gens, comme dit Manuel Valls, ils m'ont parlé du RSI. C'était le seul sujet dont ils m'ont parlé pendant toute la campagne, le RSI. Excuse-moi, moi, je n'ai pas entendu une seule fois le Front National évoquer ce sujet pendant la campagne. D'autre part, comme le disait le camarade, c'était un programme d'envergure nationale. C'est de la merde. Il faut aller labourer. Et enfin, pour terminer... il faut aller sur les sujets de droite au sens de Julius Evola, avec un D majuscule, c'est-à-dire souveraineté, identité, puissance, solidarité. Alors sur la question de l'État social, pour répondre à Xavier, oui, un État social très bien, pour les nécessiteux. Mais je suis désolé là, qu'il y ait deux systèmes de retraite, ça scandalise la moitié du pays qui en veut à l'autre. Alors je ne dis pas qu'il faut jouer les uns contre les autres, je dis simplement qu'il faut sortir de cette situation qui divise les Français. Et d'autre part, et j'en ai fini, l'électorat de gauche qui rejoint le Front National ne le rejoint pas d'un jour à l'autre. Il passe d'abord par une phase d'abstention. L'abstention est un lieu refuge pour l'électorat de gauche qui rejoint le Front National. Quand il se met à voter Front National, l'électeur communiste n'est pas un mec de gauche. Il n'attend pas du Front National qu'on lui resserve la même soupe qu'il avait au Parti communiste ou au Parti socialiste ou chez Mélenchon. Il attend qu'on lui serve.
Il a déjà fait sa mue intérieure. Et même s'il n'est pas au point sur tous les points du programme, c'est à nous, cadre politique, d'expliquer pourquoi on veut un État social, certes, mais un État qui d'abord rende aux Français leur propriété. D'abord qu'ils réduisent les impôts. Je suis désolé, les impôts en France sont à un niveau confiscatoire. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Okay. Et oui, mais qui parle de ça aujourd'hui? Ça a disparu du Front National. Et cette question est liée à l'immigration d'ailleurs. C'est pourquoi le FN pourrait faire des cartons. Et c'est qu'on ne peut pas. Fiscalité et immigration. La fiscalité et l'immigration sont directement liés. Il y a trois tueurs d'emplois principaux en France qui s'appellent le fisc, le RSI et l'URSSAF. Le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir ces taux monstrueux de prélèvements, parce que sinon, on ne peut plus faire vivre les familles islandaises, et on sait que sinon, c'est la guerre civile. Enfin, c'est pas une guerre civile, parce que c'est pas les mêmes peuples, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est la guerre en France, concrètement, s'il n'y a pas ces transferts sociaux. Le Front National peut faire des strikes. Alors, quand il y a ces décharges, il y a une manif contre le RSI. Il n'y était pas. Alors, moi, j'ai vu des députés. Ah oui, mais les gens du collectif Audace qui devaient s'y rendre n'y étaient pas. C'est très décevant. Si, c'est très décevant. Ah non, écoute, moi, j'y étais. Okay. Tout ça pour dire quoi? C'est que les pistes à creuser, selon votre serviteur, pour le FN, sont lesquelles? Oui, un État social, mais attention, pas version 20e siècle, version 21e siècle. C'est-à-dire que, concrètement, on prend en considération ces fameuses professions libérales qui en chient, qui travaillent 60 heures par semaine et à qui on pique la moitié de leur pognon. Il n'y a pas de discours politique pour ces populations-là. Attention, quand on parle de professions libérales, on ne parle pas des notables de province dont on parlait tout à l'heure. On parle du gars qui vend ses légumes sur le marché de Ferrières. Mais au-delà c'est une profession libérale. Ouais, je ne sais pas s'il y a des moyens pour ça. Si, je pensais notamment à ça. Et je pense surtout à tous ces jeunes qui n'ont pas réussi à se faire embaucher parce qu'on connaît le chômage des jeunes et qui ont été contraints de créer leur boîte, et qui, eux, d'ores et déjà, se font taper sur la gueule par le RSI, l'URSSAF. Deuxième point à creuser, moi, je pense, c'est la question des valeurs, et là, on voit que le FN a vraiment raté le coche avec la manif pour tous. D'aucuns vous diront que c'est à cause de son lobby hétérosexuel qui le tire vers le bas. Mais l'UMP a tardé à aller sur cette question. Il y avait une place à prendre en tant que parti respectable d'un point de vue des valeurs. Le FN a tardé, l'UMP a vu que la sauce montait, il y est allé, et là, bah, il lui a pris la place. Ouais, mais d'autres diront que c'est justement en n'y allant pas qu'il s'est accordé une partie de l'électorat de gauche. Mais qui s'en fiche. Non, parce qu'il s'en fiche. L'électorat bobo. Les anciens électeurs communistes qui votent aujourd'hui Front National n'ont jamais fait grief au Front National d'avoir des gens comme Gollnisch, par exemple, qui était un défenseur de la famille, je veux dire, historique. Personne, je n'ai jamais entendu un gaucho lepéniste dire ouais, quand même, Gollnisch, sur la question homosexuelle, il est quand même un peu raide. Non, je ne l'ai jamais entendu. Ce qui fait, à mon sens, voter les gens pour le Front National, c'est la double souffrance de l'effondrement social de la France et de l'islandisation de la France. C'est ce quiz entre les deux qui fait que quelqu'un qui est touché par ça est vacciné contre le système. Parce que la réalité est une invalidation permanente de l'idéologie dominante. Le problème, c'est que cette islandisation dont tu parles, elle est le fruit direct de la mondialisation financière et libérale. Et on peut pas la vendre aux gens en tant que juste un problème d'immigration. Et donc, je vois pas comment on peut combattre cette islandisation de la France en s'alliant avec des gens de l'UMP. Qui sont aux ordres du MEDEF, qui sont la chambre d'enregistrement du MEDEF et qui n'ont, quand il est au pouvoir, que fait encourager ce phénomène. Donc, moi, je pense pas que ce soit un discours de droite ou de gauche de dire de stopper l'immigration. Mais si on veut stopper l'immigration, il faut stopper le libéralisme, le mondialisme. Oui. Oui, mais ça, c'est pas le discours de la droite. Excuse-moi, je disais union des droites au Front National. Je n'ai à aucun moment parlé d'union avec l'UMP. D'abord, évidemment, pas d'une union des états-majors au niveau national. Il s'agit de créer... Mais si, il faut créer les conditions. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Les électeurs de droite ont tout à fait la possibilité de voter pour le Front National. Ils n'en ont plus envie. Excuse-moi, moi-même, je commence à être hésitant. Quand je vois qu'il s'agit de restaurer les 35 heures et la retraite aux 60 ans, je m'inquiète. Défendre ça, en quoi c'est des constructions, on a une histoire qui nous a permis d'avoir ces avantages sociaux, il faudrait tout balancer. C'est plus en phase avec la réalité des mecs qui touchent 4 millions quand ils arrivent en poste à Sanofi, etc. Avec la réalité de la France qui ne fait plus d'enfants.
Avec le monde. Attends, on parle de deux sujets différents. Toi, tu dis, il y a du pognon ailleurs, prenons-le pour payer les retraites. Exactement. Okay. Oui, mais ça, ouais. Mais ça, excuse-moi, c'est du pur socialisme. C'est pas la question. C'est pas un gros mot. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. Bah, selon moi, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Ben non, on peut très bien aller chercher le pognon là où il est, mais c'est pas pour ça qu'il faut que les gens aient la retraite à 60 ans par répartition. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un système mutualiste avec un système de liberté de responsabilité? C'est quand même notre modèle. La troisième école d'économie politique, c'est quand même notre famille politique. Non, On n'est pas là pour ressusciter le socialisme des années 80. On est là pour un système qui a fonctionné pendant des années avant qu'il soit ponctionné par le bas, par justement une générosité délirante envers des... T'es gentil avec le mot générosité, d'ailleurs. Siphonné par les banques, par les banksters et les voleurs. C'est pas le système qui fonctionne pas. C'est dévoiement, mais le système... Pourquoi on devrait remettre en cause un système au nom de ces dysfonctionnements, au lieu de punir les gens qui en ont profité? Il y a quand même un truc qui me fait achoper, c'est que il y a des mecs qui pourrissent les engrenages, et toi tu dis il faut jeter le moteur. Je dis qu'il faut faire une révolution fiscale dans ce pays. Il faut faire une révolution monétaire. Il faut récupérer la monnaie comme pouvoir souverain, et il faut restaurer un État souverain, un peu sur le programme que propose d'ailleurs Sovranità en Italie. Qui est un peu plus sérieux sur ces questions. Je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement intelligents, honnêtement. Je crois qu'ils sont un peu plus sérieux, en tout cas, que ce qui se passe aujourd'hui en France. Sur la souveraineté monétaire, c'est tendu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Attends, on peut discuter la question de l'euro. Elle était discutée ici sans aucune opposition. Il n'y avait personne pour donner la contradiction. Ce serait l'objet d'une émission entière. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on tomberait d'accord, en plus. Parce que je crois que la question de l'euro, aujourd'hui, est à la fois un problème et aussi un problème du problème. C'est-à-dire que si on se débarrasse de l'euro, on aura des problèmes d'une autre nature. Exactement, encore. Exactement, et très lourd. On est d'accord là-dessus. Mais ça dépend à quel niveau, à quelle échelle on regarde, à l'échelle de Madame Michu sur son marché ou à l'échelle continentale. C'est pas les mêmes solutions. Mais juste pour en revenir à la droite, quand je parle d'union des droites, il s'agit de faire, selon moi, une union des droites à la base. Dans les territoires, non, mais toi, évidemment pas d'état major. Mais oui, mais juste celle qui était à la manif pour tous. Mais je voudrais donner un exemple. Si le Front National avait tendu la main ou à des candidats divers droits dans de nombreux cantons, en leur disant ne faisons pas le Rassemblement Bleu Marine, faisons justement une union. Rassemblement Vert Marine. Union des listes, union des droites avec un binôme Front National. Non, mais tu parles de stratégie de communication. Je parle de stratégie électorale. Je parle pas uniquement de communication, de stratégie électorale. Avec une vraie main tendue à la société civile, avec une vraie main tendue aux gens qui sont enracinés locaux, qui eux auraient pu faire des campagnes locales. Or, ça n'est pas, c'est très ambitieux. C'est un objectif électoral extrêmement ambitieux. Je ne dis pas qu'on aurait remporté une victoire là, immédiate. Mais en tout cas, on aurait envoyé un signal très clair et ça se serait enraciné, approfondi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avant d'arriver à cette solution, je dirais, de terrain, une stratégie applicable immédiatement lors d'un scrutin à venir, je crois qu'il va falloir que le Front révise son logiciel idéologique. Il y a un véritable blocage idéologique au Front aujourd'hui qui est devenu un parti très réac. Social-oréac, c'est-à-dire il s'agit de sauver le modèle social des années 70-80. On n'y est plus. Je dis pas qu'il faut pas restaurer le système, pourquoi pas, mais je veux dire que avant de le restaurer, il va falloir en passer quand même par une cure. Et on appelle ça une révolution. Ça, je suis pas du tout d'accord, parce que là, c'est intégrer complètement ce discours qui est de dire défendre et conserver des avantages acquis, c'est du conservatisme. Et en fait, la réforme, c'est il faut baisser son niveau. Il faut baisser le niveau social. Il faut accepter des... Non. Ce serait le progrès, ce serait de renoncer à tout un tas d'acquis au nom de la compétitivité, au nom de... Je veux bien qu'on mette en place un socialisme du 21e siècle. Je veux bien qu'on mette en place un socialisme du 21e siècle, mais une chose est sûre, ce n'est pas en mettant des cotères sur une jambe de bois, sur le socialisme des années 80 qu'on va y arriver. Non, d'accord, mais tout n'est pas résumé et tout ne peut se résumer au socialisme des années 80 dans le programme du Front National. Il ne faut quand même pas non plus schématiser à l'extrême l'inverse. C'est-à-dire que en disant ça, non mais attends, les gens sur les marchés, les gens sur les marchés répètent ce que disent Sarkozy. Moi je te fais dire tout ce que tu veux aux gens du marché. Programme économique d'extrême gauche. Les gens du marché, je te les fais marcher au pas de doigt en 30 minutes, on sait comment faire, d'accord ? La problématique, elle est pas là. La problématique, elle est de savoir si à un moment on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que tous les acquis sociaux doivent être passés au tamis de la réforme, et à ce moment-là, finalement, on fait du discours dominant et on propose au Front National l'alignement, ce qui, pour moi,
et plutôt ce qu'il est en train de faire, honnêtement. La prochaine étape, c'est qu'il va s'aligner. Il est déjà en train de le penser, cet alignement. Justement pour correspondre à une partie de la droite avec laquelle il a besoin de gouverner. Parce que moi, je me pose quand même la question d'un Front National qui arrive aux portes du pouvoir sans les relais dans la haute administration. La droite lui permettra d'avoir ses relais de la haute administration. Les grands fonctionnaires, ils vont fonctionner, justement, pléonasme, ils vont bouger parce qu'ils auront reconnu Tartampion, qu'ils connaissent depuis 20 ans, ex de l'UMP, de la droite, machin, qui sera allié à... Après, une fois que t'as ça, t'as quoi? Il faut créer les conditions du gouvernement. Mais pour moi, t'as pas une révolution. T'as un système conservateur inversé à celui de l'Autriche, c'est-à-dire un parti conservateur qui était majoritaire et une extrême droite d'appoint. Et là, ce sera l'inverse. Ce sera une extrême droite centrale, mais une extrême droite. C'est ces conditions-là qui. Depuis quand il y a des gens d'extrême droite dans cette salle? Non, mais il faut ces conditions-là qu'il faut créer. Attention. Il y a un truc que, si je peux pas, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que là j'ai face à moi deux défenseurs de l'État-providence tel qu'il se fait actuellement. Je vous ferai remarquer que je ne dis rien, mais j'en pense pas moi. Je ferai remarquer que ce formidable État-providence, c'est celui qui gave les chances pour la France d'allocation et qui laisse crever les campagnes. Mais vous ne le changerez pas. Mais je le défends pas. Il faut d'abord le désarticuler. Pourquoi ce serait plus facile de le supprimer que de le réformer? C'est quand même une idée très curieuse. Je vais vous dire, il faut changer. Il faut que l'État Providence change pour ne pas changer. Ouais, enfin, moi je vais te raconter un truc. Et je termine juste un truc, c'est qu'il y a une nouvelle couche de travailleurs qui n'arrivent plus à être salariés. Ce sont des travailleurs qui ça s'appelle libéraux. Parce que moi, on les connaît. Je ne dis pas freelance. Il n'y a pas de problème. Je dis libéraux. Ben voilà, mais ces gens-là, le système n'est absolument pas calibré pour ces gens-là. Mais ça, on est bien d'accord. Il n'y a pas de discours pour les petits patrons, les entrepreneurs, la France qui se lève tôt. Il n'y a aucun discours, y compris celui du Front National qui est nul. Il n'y en a pas d'ailleurs. Ce serait vraiment intéressant d'avoir une réflexion sur ces catégories-là et de ne pas les associer avec le grand patronat, les multinationales. Mais qui a dit ça? Mais c'est vous qui faites ce procès. Moi, je dis « small is beautiful ». On parle du petit patron de la propriété. Moi, je veux l'extension de la propriété. Je veux que chacun, dans sa vie, parce que c'est le rêve de tous les Français, puisse acquérir sa maison et son outil de travail. Mais c'est pas incompatible avec un système... Avec un État social. L'État social, c'est par définition. Si les grandes multinationales commençaient par payer des impôts, si on récupérait les 6 ou 7 milliards que les multinationales ont volé au bas mot, en reversant pas dans les pays, etc., on pourrait financer le système social. Mais dire que c'est pas possible. Je ne suis pas contre. Je dis juste qu'avant toute chose, il va falloir arrêter la pompe aspirante qu'est l'État social. Or, aujourd'hui, Marine Le Pen veut sauver la pompe aspirante qui... Et je vais donner un exemple. Écoute, dans le Loiret, où j'étais, il y a un petit... Il y a d'arrêt de l'imposition. Il y a un petit lotissement dans la campagne du Loiret qui est tout neuf. C'est des maisons à 40 ou 50 000 balles qui ont été, on ne sait pas trop, données ou prêtées, données, on ne sait pas. Dans lesquels il n'y a plus que des halogènes. Et en fait, c'est-à-dire que là, on assiste à la politique mise en place par Manuel Valls, et qui n'a pas attendu Manuel Valls pour s'exprimer, mais qui enfin a été assumé librement par Manuel Valls. Qui était déjà sarkozienne. Hein. Oui, absolument. Était cette logique, en gros, du saupoudrage. Saupoudrage dont parle Laurent Ozon, c'est-à-dire que l'État est devenu l'agence migratoire de colonisation de la France contre son propre peuple. Or, ces lotissements à 40 ou 50 000 balles sont évidemment des lotissements subventionnés. Donc, on a bien affaire à une opération de colonisation qui est subventionnée par l'État, principalement par le biais de l'État social. Je n'ai rien contre l'État social, je dis simplement que vous ne le réformerez pas. Je crois qu'il va falloir en passer par une phase de responsabilisation de la société civile. Il faudra d'abord en passer par là. Et je crois qu'il va falloir restaurer plutôt des solidarités immédiates fondé sur le principe mutualiste ou sur le principe communal, mais qu'on n'en passera plus par des solidarités étatiques. La solidarité étatique est une véritable catastrophe. L'État-providence est le bras armé de l'islamisation de la France, et l'État-providence doit se refonder. Il l'a pas toujours été. Oui, mais nous sommes au XXIe siècle, cher ami. Et selon ton serviteur, il faut raisonner. Moi, je me considère comme un patrimonialiste, et l'État-providence doit se refonder sur cette idée de patrimoine, comment faire pour conserver et pour rendre viable des patrimoines. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que nous sommes une venue, parce que quand on est salarié, quoi qu'on en dise, on est assisté aussi. Faut pas se mentir. On est aussi assisté quand on est salarié, même si on en chie, même si on bosse à mort, c'est pas nous qui allons chercher le travail. Eh bien, nous allons nous retrouver avec des moyens de production de nouveau atomisés comme on en avait sous l'Ancien Régime. Et c'est autour de cette idée-là que
il faut refonder l'État-providence. La crise est telle que le salariat se restreint de plus en plus, pour les jeunes en particulier, parce que les Charlie, eux, ils ont les acquis. Ils ont les logements, ils ont les rentes, ils ont le pognon. Eux, ils n'ont pas de problème. Mais les jeunes, eux, vont de plus en plus vers cette propriété atomisée. Et l'enjeu du nouvel État social, c'est de rendre possible et viable c'est une nouvelle production. On est d'accord. Refonder l'État social. Non, mais on est d'accord. Mais avec juste un truc. Il faut foutre l'UMP dehors. On est d'accord, c'est notre principal adversaire. Mais la problématique que j'ai, les gars, c'est que vous dites que on a braqué l'ambulance, donc il faut arrêter le service postal. Non. Moi, j'aurais quand même tendance à dire sécurisons la diligence ou l'ambulance. En parlant de ça, justement, les postes disparaissent un peu partout dans ces territoires. Voilà. Alors même que Manuel Valls va maintenant pour nous expliquer qu'ils vont faire des comptoirs uniques de la fonction publique, etc. C'est du foutage de gueule. C'est du rabais. Donc quand on parle de l'UMP, moi, je veux bien. Mais la gauche du capital n'est pas en reste. Capital n'est pas en reste. Pléonasme. Et en fait, les deux, on est d'accord pour dire... C'est pour ça que quand je parle de droite, il ne s'agit pas de l'UMP. Pour moi, l'UMP et le Parti Socialiste sont les deux faces du même parti. Alors, on est tous d'accord, on l'a bien défini ça depuis un moment. Juste une question. C'est quoi l'union des droites si ce n'est pas l'union avec les partis? Parce que l'union des droites, sinon, elle peut très bien se faire. N'importe qui de droite peut, a le droit de voter pour le Front National jusqu'à présent. Monsieur Kahn est en train de chercher le paysan qui a défilé l'année dernière. Non, pas seulement. Pas seulement. Avec son barbeau et son chapeau de brousse, là. En fait, non. Je cherche plutôt le gars qui tient son bistrot dans des territoires ruraux. Mais tu l'as déjà, celui-là, pour le fond ? Non. Non. Non, parce qu'en réalité, ils sont hésitants, parce qu'ils sont des petits... Ils sont des petits patrons. C'est là où ils sont encore hésitants. Et je crois que c'est au Front National d'ouvrir la porte de jeter les bases d'une vraie alliance. Je suis pas d'accord avec toi, parce que celui-là, il n'a plus un rond. Et moi, je crois que la frange qui hésite, c'est celle qui a un ou deux crans au-dessus. Le petit patron qui a fait son blé et dont l'activité va un peu moins bien depuis un moment. Ça ne représente pas les millions de voix qui se sont, malgré l'abstention que tu soulignais tout à l'heure, lieutenant, ça ne peut pas incarner des millions de voix qui ont fait la bascule là au deuxième tour. Je parle des gens qui... Il n'y a pas de millions de voix qui ont fait la bascule. Ah si. Oh, pas beaucoup. Ah si. Non. L'abstention, on en a déjà parlé ici, pour moi, elle est aussi issue de la propagande d'Achtafal du régime, qui est de dire, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Cette classe moribonde, cette classe de pourri. L'abstention, c'est comme l'immigration. L'immigration empêche d'augmenter les salaires, tu le sais très bien. Un point d'immigration en plus, c'est un point de salaire en moins. Et ben moi, je dis que une abstention forte, ça empêche la progression du Front. Actuellement, oui. Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et l'abstention est forte parce qu'on a dégoûté les gens du politique et de la politique. C'est pas tellement le discours fiscaliste ou financier. Alors après, tu peux faire un jeu Robin des Bois. Tu peux dire, je suis Robin des Bois, je vole aux riches pour donner aux pauvres. Ouais. Ça marchera. Le mec de ton bistrot, lui, il est déjà dans Robin des Bois. Il vote ou il vote pas, mais il est déjà dans Robin des Bois. Celui qu'il va falloir convaincre, et là, il faut beaucoup plus qu'un habillage de la répartition sociale, il faut vraiment une révolution, c'est le patron de PME qui crache beaucoup, mais qui entreprend beaucoup aussi. C'est cette frange-là qui a voté au premier tour Front, au deuxième tour UMP. Faut pas se cacher, moi. J'en ai dans ma famille, ils me l'ont dit. Pourquoi ils font ça au deuxième tour ? Pas parce que Marine veut retourner au Front, mais parce que le discours protection du blé, le plus crédible, c'est celui qui est le plus près des banques. Hein. La question protection du blé, il ne faut pas la balayer dans l'air de main. Non, mais les gens pensent encore que c'est l'UMP. Je suis désolé de le dire. La question qui pose, c'est protection notabilité. Du blé de qui? Parce que moi, mon blé, j'ai envie qu'on me le protège. Parce qu'en tant que libéral, on me pique la moitié de mon pognon. Et on sait à qui on le donne. Ah bah voilà, mais tu me le donnes à moi. C'est aussi, je suis pas sûr que je donne à toi, je suis pas certain. Si le circuit était si simple, ce serait vertueux. Oui, c'est un circuit court, monsieur. Non, mais tu vois, c'est la vraie question. Mais on n'oublie pas de nous payer en sortant, quand même. Donc non, la protection du blé de qui? Voilà. La gauche a détruit les cerveaux sur la question migratoire, sur la question sécuritaire. Je regrette, elle a aussi détruit avec la droite. D'un point merci. De vue. Merci. Avec la droite qui a participé. Ce que tu appelles la droite, c'est une alter-gauche. D'accord, l'alter-gauche. Mais moi, je m'en fous de la polarisation. Elle a aussi détruit les cerveaux d'un point de vue économique. Et il faut décomplexer les gens sur la question du patrimoine. J'ai aucun souci sur la question du patrimoine. Il y a un exemple parfait, le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, vous prenez au second tour, il y a un double paradoxe. Nord-Pas-de-Calais, donc, qui est une département submergé par l'immigration, par le chômage, tout ce que vous voulez. Au second tour, tous les votes les cantons qui opposaient le Front, soit à l'UMP, soit au Front de gauche, soit au PS, soit à l'ultra-gauche, tout ce que vous voulez, tous les frontistes ont perdu. Et ça, on n'en a pas fait écho. Oui, c'est très vrai.
à la fois contre l'UMP, donc d'ailleurs. Quand on parle de la droitisation, etc., contre le front de gauche, le front n'a pas du tout récupéré les voix de la droite, des valeurs ou de la droite institutionnelle. Et donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai un contre-exemple. Il y a eu 1000 voix de plus dans le canton que j'ai visité, par exemple, entre les deux tours. Mais ça, c'est juste qui était passé. C'est l'enthousiasme. C'est dur à régénérer. C'était que des femmes. Il paraît que ce n'était que des femmes. C'était que des femmes de moins de 25 ans. Il est arrivé avec des cubiténés, enfin. Mais non. Vas-y. Voilà, donc je ne vois pas en quoi la droite peut devenir notre allié, sachant que sur même l'ultra-gauche, elle se reporte contre le Front National. Alors que c'est une terre qui est pour le coup socialement irriguée, socialement au fond du gouffre, on n'a pas ce report de voix. Je crois que ce qui fait la spécificité du Front National, c'est justement son discours social. Si c'est pour faire de l'anti-bougne libéral, je pense qu'en effet, c'est peut-être la voie à suivre pour gagner les élections. Hein, mais dans ce cas-là, on devient des néoconservateurs, on n'est plus autre chose. Si le Front lâche. En tout cas, personnellement, si le front lâchait sur la question sociale, moi, c'est un parti qui ne m'intéresse plus. Mais tu confonds social et État-providence, c'est quand même pas la même chose. Non, mais c'est quand même le seul parti qui a un discours anti-libéral et à la fois anti-libéral et anti-immigré. Moi, c'est les deux choses dont j'ai besoin pour m'engager. Moi aussi. Messieurs, on va faire une petite pause musicale de 5 minutes. Je vous propose justement qu'on réattaque après la pause sur cette question. Est-ce qu'il y a un vrai volet social dans le Front National et est-ce qu'il est porteur ? Voilà, à tout de suite. Yeah!
Allez, de retour après cette pause musicale violente, agressive, verticale, radicale, choisie par Adrien Abosi, je vous rappelle, Manowar, Fighting the World. Rien que ça, début de programme. Alors, nous revenons sur le débat que nous avions laissé en suspens, qui opposait deux poids lourds du panorama actuel, messieurs K et Aimant, et qui portait sur l'aspect social du programme du Front National à défendre ou pas. Allez, les filles. Non, mais moi, j'ai dit... Ça y est, on s'est apaisé à la pause. J'ai dit ce que j'avais à peu près à dire. Ouais. Je ne confonds pas politique sociale et État-providence, ou État-jacobin, État-centralisateur, État-maman, Big Mother. Voilà, je suis pour une politique sociale, je suis anti-libéral, je suis un militant anti-libéral, évidemment. Il n'en demeure pas moins que là, je crois qu'on ne fera pas l'économie d'un détour par une très grande liberté de la société civile rendue à elle-même, avec des solidarités naturelles qui devront être encouragées, évidemment, et principalement par le biais de la solidarité mutualiste ou communale, mais certainement pas par des systèmes, on va dire, trop centralisés qui sont toujours le lieu dans lequel se fourre la solidarité avec les halogènes. Voilà, c'était un peu le fond de mon propos. Mister Aimant ? Alors, juste pour dire une chose, déjà, on discutait du programme du Front National. Hein. Yes. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon idéal. Ni le programme du Front National, ni le Front National. Donc, mais en effet, j'estime qu'à l'heure actuelle, dans l'offre politique, c'est au niveau économique le programme du moindre mal. Après, moi, j'entends bien, bien sûr, ces solidarités réelles, etc. Sauf que j'aimerais bien les voir exister et croire qu'elles peuvent exister. À l'heure actuelle. Et l'expérience humaine étant ce qu'elle est, l'État reste quand même le meilleur garant pour les catégories, pour les faibles, pour les gens en difficulté économique, pour les gens isolés, pour donc je vois pas comment dépasser aujourd'hui l'État en termes, en effet, de régulateur social. J'aimerais bien qu'il existe autre chose. Moi, je suis pas un fanatique de l'État. Hein. S'il y avait d'autres exemples, oui, qu'est-ce que ça veut dire ces solidarités réelles? Comment elles s'expriment aujourd'hui? Si je crève dans la rue, ce qui m'évite de crever. Et puis on peut régionaliser la chose. Il faut rapprocher. La seule chose que je dis, solidarité nationale, si tu veux. La seule chose que je demande, c'est un rapprochement géographique des bénéficiaires. Un raccourcissement de la chaîne. Voilà, des contributeurs, des bénéficiaires et aussi des contrôleurs. C'est-à-dire que les seules caisses aujourd'hui de sécurité sociale bénéficiaires en France, c'est les caisses d'Alsace-Lorraine. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un modèle rhénan qui persiste, et d'autre part parce que, ensuite, il y a la vertu propre à cette population. Il y a un contrôle de chaîne courte. Mais voilà, et puis surtout, c'est voilà, parce qu'ils ont la main sur leur caisse. Voilà, c'est tout ce que je dis. Oui, non, mais bien sûr. Et puis de toute façon, le préalable à tout ça. Là, je ne parle pas de solidarité naturelle, du genre chacun prendra sa mère, son père, âgé chez lui. Non, non, je ne suis pas naïf, je sais bien. Avant qu'on en arrive là, il va falloir quand même remonter. Avoir des marteaux. Si j'en ai jamais. Mais le problème de tout ça, c'est de toute façon la préférence nationale. C'est parce qu'on ne peut pas discuter de social avant que ce préalable national. Alors, national, je suis national quand même, social, ethnical. Commençons par la préférence nationale qui sera déjà un grand pas en avant. Ouais, tout ça lié. C'est ça qui est intéressant. Oui, là, on s'aperçoit que toutes les questions sont liées. Immigration, fiscalité, économie... On est sur un tissu, un maillage fin d'un certain nombre de choses qui vont faire basculer effectivement une politique d'un endroit à un autre. Par contre, sur l'avenir, parce que là, moi, c'est ce qui m'intéresse, on vient d'en terminer avec une élection, bon, somme toute assez intéressante, parce qu'elle a subi un décloisonnement du local vers le national, avec d'ailleurs probablement les chutes d'intérêt du débat aussi. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu parler d'enjeux nationaux, mais on n'a pas tellement... Enfin, je ne sais pas si nos concitoyens ont entendu parler de problématiques locaux-régionales, quoi. Est-ce qu'on a parlé de la rocade du coin, du problème de l'usine d'incinération ou de la nouvelle purification de la flotte, de l'épandage de machin? Pour une raison simple, je pense que les enjeux locaux sont intéressants quand les choses vont pas trop mal. C'est-à-dire que savoir si on va faire ou pas une piscine dans le canton de Courtenay, c'est intéressant... Quand tout le monde a un peu de boulot, je pense que la nationalisation de l'enjeu, c'est simplement... Mais alors là, tu vois, t'as un discours paradoxal, parce que justement, il aurait été intéressant de trouver des élus en train de dire, bon, le national, c'est une chose, mais nous, on essaie de créer de l'emploi au local. Mais je pense qu'il faut créer les deux. En fait, je pense que pour les candidats à l'avenir,
S'il y avait un mot d'ordre à retenir, ce serait d'essayer de les encourager en fait à avoir un double discours. Bah, c'est manière. Évident quand même, hein, parce que derrière il y a les régionales. C'est là-dessus que je veux déboucher. Oui, alors, l'avenir de l'élection. Il ne faut pas seulement sauter d'une élection à l'autre. Je dis simplement, voilà, peut-être revenir à une vraie logique d'enracinement des élus, enfin des candidats en tout cas, qui connaissent leur canton, qui connaissent leur coin, et qui peuvent être candidats à tout d'ailleurs, parce qu'il y a un moment donné, il faudra bien qu'on essaie de profiter des vertus ou des défauts de tel ou tel scrutin. Donc on parlera des régionales, pardon, si tu le souhaites. Mais avant ça, pour répondre à ta question, oui, parler du local, c'est très important. Mais je crois que ça a peu intéressé aussi les gens, parce que leurs préoccupations sont d'ordre national. Alors, je veux dire, on sortait quand même de Charlie, on sortait de tout un tas d'histoires, on va dire, d'échelle nationale. Hein. Ceci oui. étant, le fait qu'il y ait eu un programme national et pas local pour Mickaël et Raïssa dans mon canton de Seine-Saint-Denis, là, c'était pas... Non, mais ça m'inquiète un peu. Le dimanche à Saint-Denis, c'était quand même pas mal. C'était pas mal parce que je ne vois pas quel programme local... Ils auraient proposé. Mais c'est-à-dire que non, mais c'est évident. Ah, attends, temps... une marché, une mosquée et un souk. La classe. Non, mais c'est sûr qu'il y a, c'est pas la même chose en 93. Là, c'est vrai, t'as raison. C'est pas la même chose en 93. La Seine-Saint-Denis, c'est encore la France. Hein. Non, je suis d'accord. Ah bon, mais je veux dire, non, mais en raison de sa configuration simplement même urbanistique, simplement ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un canton entièrement urbanisé, c'est pas la même chose évidemment qu'un canton mi-rural, mi-urbain, machin. Bon. Donc les enjeux locaux, ça n'a pas beaucoup de sens le 93 est tellement aspiré par Paris que bon, c'est une situation très particulière, bien sûr. Et puis vas-y. Le seul enjeu médiatique que les médias ont fixé, c'était la question du Front National. Oui, oui, on est bien d'accord. Que ça, on a parlé de ça. À un moment, ce que je voulais dire par cette espèce de retour sur le local, c'est que on est tous d'accord ici pour dire que l'État a déserté une grande partie du territoire. Ah oui, c'est sûr. Le bouquin de Ghioli le montre très bien. Je ne comprends pas comment les gens ont pu faire l'impasse, quels que soient les partis, ont pu faire l'impasse de cette opportunité extraordinaire de s'engouffrer dans un désert, un no man's land, en disant, écoutez, il n'y a plus rien, on va essayer de faire quelque chose. C'est une réalité. Je me fous de Paris. Mmh. Ouais, mais tu as raison, en fait. C'est ça, le problème. Ils ne savent pas. Les mecs qui ont été débarqués là, c'est pas qu'ils se foutent de Paris, c'est qu'ils viennent de Paris. Enfin, en tout cas, c'est une téléportation, téléguidage, parachutage, tout ce que tu veux. Ils sont parisianistes. C'est-à-dire que voilà, on a un problème d'ancrage local. Par contre, dans le sud-ouest cassoulet, que moi, tout le monde a hurlé en disant « ma région me désespère, les Français comprennent rien ». Moi, je les ai trouvés en phase avec leurs affaires. Absolument. Les élus sont les élus de terroir, des paysans, des petits maires agricoles. Tout ça, ça a résisté. Est-ce que c'est le clientélisme qui paye? Parce qu'il y a aussi beaucoup de... Attends, moi, je pense... Quand on voit Guérini... On n'a pas critiqué Guérini. Ah non, Guérini, c'est la classe. Non, ça, c'est la mafia, c'est Marseille. Il y a des élus. Il a une tête de laisser le terroir. Critiquer Guérini, il y a quand même des limites à l'engagement politique. Ah non, merde. Mais, je veux dire... Mais voilà, bien Gaston de fer. Non, mais on voit bien qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que la bonne gestion locale, c'est pas non plus arroser son électorat, avoir 3000 employés au conseil départemental qui sont forcément donc des électeurs captifs, etc. Alors, mais Xavier, je te rassure, ce qui est possible dans la zone franche du sud-est, tu sais, Mafia Land, c'est moins jouable dans le sud-ouest, il y a moins cette tradition-là. Non, vraiment, il y a des... Là, le Valois, ça marche très bien, par exemple. Pour bien connaître... Ah oui, mais c'est pas le Valois, c'est dans le sud-est. De quoi? De la Judée-Samarie, le Valois, non? Merde. Ouais, c'est par là. J'ai dit rapé. Je pense que ça peut être intéressant d'évoquer ces cas qui sont un peu, en effet, caricaturaux, pour juste dire... Non, mais je crois que dans le Tarn, dans le Tarn, je pense pas qu'il s'agisse de ça. Je pense que dans le Tarn, il y a une vraie identité maintenant historique, rouge. Tant mieux. Non, mais je le crois. Je connais pas très bien, mais je crois. D'ailleurs, c'était très étonnant de voir les résultats au premier tour. Il y a extrême gauche, front de gauche, parti socialiste, radicaux. Et je crois qu'il y avait une union de. Enfin, il y avait en gros une liste d'union pour tous les autres qui ont fait 12%. Bon. L'écolo moyen, il plaît pas dans le sud-ouest rouge. Non, hein. Non, mais je pense que c'est une vraie. Maintenant, il y a une identité, on va dire politique. C'est pas une identité charnelle, mais il y a une identité politique. Et en fait, tous ces types-là, c'est vraiment. Alors là, on assiste vraiment à une trace presque archéologique. C'est la fin, parce qu'on assiste, comme on l'a déjà dit à ce micro, à l'éclipse progressive du Parti socialiste, qui est en train de prendre progressivement en fait le même chemin que le Parti radical au 19e, au début du 20e siècle. Ouais. Et en fait, on voit... Non, milieu, plus tard, hein, milieu, début 20e. Parti radical, ouais. Oui, début 20e, c'est ce que je dis. Non, mais,
Non, mais au 19e, il est florissant, tu vois. Mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Non, puis même début 20e encore. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Allez, 20, 30. Non, mais je donnais la séquence. On part de Mitterrand en 81. Avant qu'il scission. On part de Mitterrand en 80, qui est le parti, enfin, qui est président du parti pivot. Qui va structurer l'ensemble de l'Union de la gauche. Merci Bernard. Avec réédition avec Jospin, etc. Et on voit progressivement, en fait, que d'ailleurs, tout à fait, de manière très intéressante, c'est Hollande qui va piloter tout ce processus de provincialisation et marginalisation du Parti Socialiste. Qui, à mon avis, est dû aussi, d'ailleurs, tout bêtement, à la disparition de couches entières de la sociologie française. Cette sociologie dont parlait Adrien tout à l'heure, en fait, qui... des gens voilà, qui étaient petits employés, professeurs, que sais-je, et dont les enfants, en fait, aujourd'hui sont mi-chômeurs, mi-auto-entrepreneurs. Et en fait, c'est à ça que ça, correspond. Et les enfants ne votent plus comme leurs parents, voilà, tout simplement. Les cadres symboliques issus du XXe siècle existent encore, mais ils n'en ont plus pour 20 ans. Ils n'en ont plus pour 20 ans, et il faudra recadrer tout le discours politique à ces évolutions sociologiques. Et ce qui était intéressant, c'est que notre classe politique, elle, ne palpe pas du tout. Bah, justement, la question, elle est entre crispation, déni de réalité et poussée de l'abstention et de nouvelles structures politiques. Quel avenir s'annonce ? Alors, je ne parle pas que des élections. Quel avenir s'annonce pour les 2 ans de temporalité politique ? Rémi. Les régionales, à mon avis, vont constituer une grosse claque. Pour le coup, sachant que le mode de scrutin sera bien différent. Le jeu de la proportionnelle va complètement faire basculer, on va dire, le pays. Et à mon avis, on risque d'avoir quelques surprises justement suite à cette élection, qui, dans l'inconscient des Français, va vraiment peser. Déjà, on l'a vu là, le fait d'avoir débloqué complètement ce dont nous parlions tout à l'heure. On a beau stratiser, on a beau insulter un quart des électeurs, ça ne fait rien, on continue. Donc, je ne crois pas non plus que la classe dirigeante se laissera intimider pour autant. Le système était très fort. Il saura surmonter tous ses problèmes. Je ne pense pas qu'il faille anticiper non plus 2017 comme étant victorieux ou une épreuve que l'on gagnera, parce que 2 ans, c'est très long. 2 ans, il peut s'en passer. On a vu avec Charlie l'effet que ça pouvait avoir. Le basculement peut s'opérer très très vite. Donc, pas de conclusion hâtive, je ne crois pas qu'on puisse vraiment. Ah, bah, sur 2017. Oui, Xavier. Surtout, il faudrait s'interroger gagner, pas gagner, mais gagner ou pas gagner, pourquoi faire ? Parce que là, on le voit bien, déjà, rien qu'à cette table, on souhaite à peu près tous une victoire du Front National aux élections, mais en fait, on n'est pas du tout d'accord sur ce qu'il devrait faire. Donc, à un moment, il faut se demander, oui. Est-ce que le Front National va arriver au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il y sera ? Moi, je pense qu'il finira par y être. En effet, de façon quasiment mécanique, je suis un peu d'accord avec l'analyse. Mais alors, à mon avis, malheureusement, ce sera avec un corpus idéologique complètement aseptisé et sous une forme qui, moi, ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que, en fait, on voit qu'on s'est un peu... J'ai l'impression, quand on discute, qu'on s'est un peu nous-mêmes à nouveau fait bouffer par l'électoralisme. C'est-à-dire qu'on remet en fait. Suivant les codes, clairement. On remet en fait tous nos espoirs, alors qu'on a toujours eu un discours très. Ici. Ben un peu. J'ai l'impression un peu qu'on, justement, avec ce Front National montant, toutes les mouvances, on va dire, un peu radicales, etc., commencent à n'espérer plus. Quand la victoire du Front... Je suis pas d'accord. Pas au masse, en tout cas. Moi, je pense qu'il s'agit vraiment d'une... On court un peu autour d'un totem en espérant que ça va changer les choses, alors qu'on ne sait même pas ce que le Front National fera une fois au pouvoir. Et on n'est même pas d'accord sur ce qu'il devrait faire. Ce que tu avances est absolument capital. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Front National n'est pas une fin, c'est un moyen. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune fin dans les urnes. Voilà. Le Front National peut être un piolet, malgré tout. Il peut être un piolet. Et vous savez, il faut faire une petite métaphore, une petite comparaison, une petite analogie historique. Convocation des États généraux 1789, c'est une institution typique de l'Ancien Régime. Ou pas typique de l'Ancien Régime. Et. Donc, pardon, on est en ravitaillement. Je vous écoute. En 1789, convocation des États généraux, c'est un truc typiquement traditionnel de l'Ancien Régime. Ouais. Donc, un truc complètement localisé. Mais le parallèle est bon, tu crois ? Mais, cher ami, après, on se mute en constituante et on change de paradigme. Ouais, mais là, on est. Le Front National, c'est là où moi je m'arrête. La victoire du FN peut être.
la victoire du Front National pourra être un pas vers ce changement de paradigme. Mais moi, j'ai du mal avec ces... Alors, tout le monde y va de ces recours historiques, etc. Moi, je ne sais pas si c'est... Très honnêtement, je ne vois pas qu'on puisse... Oh là, le bruit étouffé du pinard, parfait. Moi, je trouve qu'il est de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, beaucoup de politologues, et là, je reviens sur les remarques préliminaires de l'enrobage, du scrutin, beaucoup de politologues, beaucoup d'instituts de sondage et autres, se sont empressés de faire des tas de parallèles en disant il y a des vraies, fausses progressions. Et, honnêtement... Chaque élection depuis 4-5 ans, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de prédire les véritables taux de ces affaires-là derrière ? Je reviens sur des exemples tout bêtes. L'ouest de la France, qu'on avait cru être une terre de mission imprenable. Je te rappelle qu'ici, on a évoqué ça. On a eu les affaires des bonnets rouges. Il y a un an. Et on avait dit que les bonnets rouges se traduiraient plus tard. D'accord. Et ça mais il y a un an, on était quand même vachement surpris de l'ouest. Tu te souviens pas aussi. On était étonnés. On s'était dit aussi vite, grande bascule. Oui, c'est vrai. Donc, on était étonnés par l'amplitude. Je dis pas qu'Adrien a tort. Je vois bien la progression et son parallélisme sur la constituante, etc. Je dis, est-ce qu'on peut appliquer ces recettes-là en termes de duplicata, de décalco? L'histoire n'est pas un copier-coller. Néanmoins, je pense qu'on n'enseigne pas encore l'avenir. Donc on a d'exemples que dans le passé. Ouais, mais le problème, c'est est-ce qu'on est capable de... Et là, je reviens sur la remarque de Xavier. De passer aussi en mode adaptabilité et continuer un mode militant, c'est de se dire, ok, c'est la question que je posais au début, les gars, hein, je voulais pas lâcher celle-là. Est-ce que le Front National va continuer inexorablement sa montée? Pense... Est-ce qu'il va gagner avec les règles de l'ennemi, etc., etc. Personnellement, mais... je n'y crois absolument pas. Je crois qu'à un moment, il va y avoir un coup de barre à mine, où il va y avoir un blocage systémique. Je me rappelle toujours du Front Islamique du Salut en Algérie, hein. Il n'y a jamais eu de deuxième tour. Hein, ouais. Il allait gagner les élections législatives. Il n'y a jamais eu de deuxième tour, les gars. Ça fait 27 ans. Ce n'est pas impossible. Ce que je crois, c'est qu'il y a un slogan. Moi, je te dis, avec un slogan, c'est prêt. Il y a un slogan qui a été popularisé par les camarades de Zentropa qui dit militer radical, voter Front National. Je pense que ça résume bien le projet. Oh, mais il y a plein de mecs qui l'ont fait, ça, c'est pas gênant. Non, mais je crois qu'en plus de cela, les militants radicaux devraient faire profil bas. Enfiler les cravates et essayer de prendre localement des responsabilités afin d'être candidat, je le crois. Oui et non. Je suis d'accord avec toi sur le grand, le tout petit localisme. Adinolfi a dit ici la même. Adinolfi a dit à ce micro que sans le secours, on va dire, de ces évolo-léninistes dont il parlait à ce micro, malheureusement, on resterait sur la superficialité des droites, on va dire souverainistes, etc. On est parfaitement d'accord sur le. Oui, mais le problème, il faudrait que chacun prenne ça pour lui-même et commence à s'astreindre. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que la radicalité, elle ne se confine pas à des postures, elle ne se confine pas à des slogans. Très honnêtement, je suis extrêmement dubitatif sur une quelconque victoire passant par les urnes, d'une part. Donc, contrairement à ce que disait Xavier, je parle pour ma chapelle, que je dirige, le MAS, on ne se lève pas le matin en disant « le grand soir électoral va tous nous sauver ». On n'en a rien à... Certainement pas. Très honnêtement, rien à cirer. Mais moi non plus. En se levant le matin. Moi non plus, la réalité, c'est qu'il y a des pans entiers de ce pays qui sont à reprendre quotidiennement. Et c'est là que le travail est fait, avec ou sans cravate. Et c'est là que le travail doit se faire. Là, je suis d'accord avec toi, il y a une vie entre les élections. Oui. Il y a un monde entre la temporalité politique et la temporalité de la société civile. Et c'est à nous de l'occuper. C'est là où je pense que les radicaux ne doivent pas faire profil bas. Ils doivent au contraire se projeter à pleine force dans le réel. Je suis d'accord. C'est pas une question de profil. Non, mais quand je dis profil bas, c'est une question de capacité. C'est vis-à-vis du front, parce qu'on sait tous qu'au Front National, il y a des... du front. Non, mais on sait très bien qu'il y a des consignes qui sont passées pour tenir les radicaux à distance. Ah, ça, on n'a pas vu au chapitre. Ça, donc, on s'en fout. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut vraiment faire tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est réel. Or, aujourd'hui, les Français, nos idées, la radicalité qu'on essaie d'incarner, ce qu'il y a de plus proche pour eux, dont ils ont connaissance, c'est le Front National. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu sais pourquoi? Je pense à deux choses. Et après, je vous laisse la parole. La première chose, c'est que, contrairement à ce que vous pensez, je crois que les Français, aujourd'hui, ils sont avant le point de bascule. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter Front et demain te tuer aussi parce que tu es un radical. Ou tu es Front. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne de crête, à mon avis, qui peut basculer très positivement pour nous, ou alors on peut être mis au pilori, voué aux gémonies, y compris par les gens qui ont été élus sur des étiquettes. Ça changera pas vous. Voilà, on est bien d'accord. Premier principe. Deuxième chose, j'observe une distorsion de la réalité qui est que ce que je disais tout à l'heure, le FN, c'est la haine, le FN, machin, ça marche très bien. Mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est le mantra. Celui-là, il marche très bien. Et que nous, on n'a pas ça. Curieusement,
Quand on s'explique, quand on travaille, on est moins mal reçu que le FN-CELAD. Alors, on est microtésimo, ça, il n'y a pas de souci. On est tout petit, machin. De moins en moins. De moins en moins, d'ailleurs. On est des petits qui grandissent, on a des poils au menton. Mais la réalité, c'est que on va prendre, et très différemment, justement par un travail au local, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un ancrage. Parce que pour moi, il y a une contradiction secondaire. C'est-à-dire que oui, évidemment, on peut pas. Ça n'est pas le même travail. Eh ben moi, je vais te dire, quand on tire l'élastique au debout, à un moment, il y en a un qui se le prend sur les doigts et ça lui fait mal. Ce que je veux dire par là, c'est que le Front ne voulant pas danser avec les radicaux de terrain, il n'a pas voulu, de manière organique, organiser. C'est un pléonasme, peut-être. Organiser une courroie de transmission via les radicaux, nous aurions pu récupérer des thèmes qu'ils auraient portés. Nous aurions pu pousser des thèmes qu'ils n'auraient pas pu porter. Mmh. Et on aurait eu une espèce de dialogue radicalité électorale. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, entre Casapand et Sovranita. Un petit peu. Ça pourrait, d'une certaine façon, comme ça a été le cas, un temps avant que ça se tende un peu entre le NPD et les nationaux autonomes allemands, qui avaient un jeu comme ça de questions-réponses, les nationaux autonomes faisant des grosses manifs, des trucs cortiqués, et le NPD faisant remonter des contestations locales, etc. Mmh. C'était très intelligent. Bon, ils se sont disputés depuis, mais c'était très intelligent. Nous, systématiquement, tu pointais le bout de ton museau, on te disait « tu rentres ou tu crèves ». Pas de double encartage. Vous êtes des extrémistes. On n'a plus besoin de vous. Mais toute l'histoire des groupes radicaux, ça a été la question de l'attitude à tenir à l'égard du Front National. On n'a plus besoin de vous, et à 4 semaines des élections, ring, vous ne voulez pas coller, je sais, on vous mais paye. Toutes les scissions qui sont passées, troisième voie, je parle de la troisième voie authentique, celle de manière acquise. Troisième voie, les rapprochements, les divorces avec le GUD, avec les jeunesses nationalistes révolutionnaires, etc. de l'époque. Bon, la question, à chaque fois, les scissions se sont toujours produites sur le même sujet, c'est quelle attitude tenir à l'égard du Front National. Et évidemment, c'était toujours quand le Front National était en ascension. Bon, là, je vois que les choses se sont plus ou moins réglées, c'est-à-dire que tous ceux qui auraient dû appartenir aux chapelles et qui auraient dû créer des scissions, visiblement, sont déjà tous partis au Front National. Donc, le problème ne se pose plus. Que je te dise, l'intelligence, elle est en ce moment chez les radicaux, qui, dans une très grande majorité... Alors, qui dis-tu quand tu parles de radicaux Nous. D'accord. Au sens large. C'est que dans une très grande majorité, on a été suffisamment urbain pour fermer notre gueule et dire « Bon, ok, on n'en a rien à cirer, c'est peut-être 10% de nos idées, mais on dit rien, les mecs votent, ils veulent voter, la plupart, de toute façon, sont allés voter, etc. On vote sans état d'âme, etc. Bon. » Là, je pense qu'on a fait des gestes gratuits qui ne sont pas anodins. Bon. Après, derrière, on n'est pas des mules, quoi. Il n'y a pas de carottes. On n'en aura jamais des carottes. Bref. On nous en mettra peut-être quelques-unes quand ils seront au pouvoir. Bref. Mais en tout état de cause... C'est le plus probable. Eh bien, voilà. Tu sais que si ça arrive, le plus probable, c'est qu'il faut que tu t'achètes une maison dans le Vercors. Hein. Il y a un point qui est incontestable. On m'a vu dans le Vercors. Il y a un point qui est incontestable, c'est que on aurait tout à gagner à trouver une bonne articulation entre ce que le lieutenant appelle... Impossible, mon cher Adrien. Elle a été tentée depuis 20 ans. Il y a une différence capitale entre il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la masse critique des radicaux est en train d'exploser. Oui, alors, grâce à Internet. Très bien. Excellente chose. Et la masse critique des débiles nationaux est en train d'exploser au carré parisien. Tu veux ma réalité, là, voilà. Non, attends, je discute avec des gens qui sont au front. J'ai plus d'acquaintance avec un vénusien, mais du côté obscur. Alors, toi qui connais plus la sociologie du Front National que ton sérieux, il y a des mecs. Je te pose une question toute bête. Ouais. Si cette masse critique, qu'on va dire avant-gardiste, je considère. Sans prétention, quoi. Certaines avant-gardes. Voilà, on est un peu. Voilà. Parce que je pense que le niveau ici est un peu plus élevé que dans divers cercles. Si cette masse critique était multipliée par 2, 3, 4, 10, est-ce que le Front National pourrait continuer à vous ignorer? Non, tu auras un phénomène de dragueur de mine, d'ailleurs, qui a déjà commencé, mais qui ne vit qu'en période électorale. Rémi. Il suffit de voir le nombre de gens qu'on connaît qui ont porté les couleurs du Front pendant ces élections. Oui. Moi, je dis, pour rebondir là-dessus, quel bilan, en fait? Qu'est-ce qu'on a apporté, nous, qui sommes à la marge, en quelque sorte, du front? Qu'avons-nous apporté, concrètement? Que faut faire un bilan, il ne faut pas se voler la face. Qu'est-ce qu'on a fait? Nos idées ont apporté? Rien, mais est-ce qu'on a réussi? Il y en a beaucoup d'entre nous. On espère encore. Le problème, c'est ça. C'est à chaque élection, c'est toujours la même rengaine. C'est qu'on espère, si on prenait un petit poste là, on va quand même y arriver avec des potes, machin, on a notre groupe derrière. Non. Au final, rien ne se fait. Les mêmes décisionnaires bloquent systématiquement la route à ces gens-là.
l'idée métapolitique, et donc c'est un éternel recommencement. Voilà. Ce qu'on appelle en tout cas les radicaux ont apporté, c'est très simple, c'est que ces fameux 50% d'abstention dont on a parlé, c'est en grande partie la jeunesse. Et ce qu'ont apporté les radicaux, c'est une déconnexion totale de la jeunesse avec le système. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire que ce sont des gens, une partie importante de l'opinion, qui ne remet pas de pièces dans la machine. C'est pas une fin en soi, mais c'est une condition nécessaire au changement. Il y a une chose qui est très certaine, c'est qu'avec l'émergence... au tout début, on a vu apparaître ça avec le lieutenant Sturm, les premiers blogs, je pense par exemple à Dolce & Gabbana. Ah ouais, très bien, c'est sympa ça. Ou à Zentropa. À l'époque, c'était minoritaire, groupusculaire, enfin, c'était très 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 ténu. Aujourd'hui, si le Front National est le principal parti de la jeunesse, ce n'est pas uniquement parce que il incarne, on va dire, toute leur déception sociale et je dirais, la fermeture de tout horizon. Je crois que c'est aussi, pour partie, en tout cas dans une partie des jeunes gens qui aujourd'hui sont des cadres à l'intérieur du parti et qui l'ont porté et le portent encore un peu, et puis il y a aussi quand même une diffusion virale de tout cela, c'est parce que pendant ces 10 dernières années, il y a des gens qui ont produit des choses originales, des contenus, des images, qui ont recréé une culture. De l'énergie perdue pour les gens qui sont justement immiscés ensuite, qui ont qui sont finalement rangés, et du coup qui ont perdu toute Enfin, toi tu dis l'énergie perdue, moi j'ai un ancien camarade qui m'a dit un jour, en politique, rien ne se perd, voilà, tout s'additionne. Donc je ne crois pas du tout que ce soit l'énergie perdue. Je ne crois pas que ce soit de l'énergie perdue. Je crois qu'on a créé une culture, on a contribué à créer une culture militante qui, mine de rien, même si c'est une chose... C'est quand même un peu un entonnoir. Regardez Méridien Zéro qui n'était pas là il y a quelques années déjà. Exactement. On a des milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Exactement. Et je pense que tout ça, ça compte. On salue d'ailleurs. Parce que tous ces auditeurs sont chacun dans son pays à lui. Tout à fait. Du levain dans la pâte. Je me permets d'aller encore plus loin, c'est que nous changeons l'anthropologie des gens. Nous changeons l'anthropologie, c'est absolument capital. Et concrètement, les méthodes qui ont marché pour les Charlie, la méthode de domination pour les Charlie, ne marcheront pas. Alors, pour la jeunesse, ça ne marchera pas. Sur le plan électoral, en fait. On parle là sur le plan électoral, j'entends bien qu'à côté... Pas que. Mais on a changé l'anthropologie de la jeunesse. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelque chose d'assez intéressant, et là j'abonde dans votre sens, messieurs, c'est que je pense que le système a été extrêmement déçu qu'on n'ait pas brûlé 500 mosquées à partir du 7, là, quand même. Je pense qu'on a fait prendre une très grande maturité. Mais on l'a vu sur la gueule de Valls. Ils ont été vachement déçus. Maintenant, ils sont obligés de le faire eux-mêmes. À peine 180 actes. Non, c'est pas le genre de la maison, attention. Non, à peine moins de 200 actes en quelques mois. Et des trucs isolés débiles, le pétard mouillé devant le kebab, quoi. C'est vraiment ridicule. Rien d'envergure, pas de violence. Ça, je pense qu'ils ont prié tous les matins pour qu'on fasse des nuits bleues. Faut pas compter sur nous. Hein. Mais on leur a dit au micro déjà, maintes fois, faut pas compter sur nous, les guignols. Bon, après... La France n'étant pas tout, messieurs, on avait quand même deux, trois petits sujets à aborder. La suite du programme. La suite du programme, justement. La suite du programme. On peut passer sur les éventuels pseudo remaniements ministériels. Oui, on s'en tape. De toute façon, c'est blanc bonnet blanc et touche de cire. On peut quand même peut-être dire un mot quand même du ministre de l'Intérieur qui a lancé une guerre les mouvements identitaires. Une fatwa, parce que... Puisque là, il faut savoir qu'il y a deux grands concepts qui sont promus par la doctrine et qui sont maintenant mis en œuvre dans les projets législatifs, puisque la loi sur le renseignement visera spécifiquement dans l'esprit du gouvernement et spécialement du ministre de l'Intérieur, donc de Manuel Valls, les mouvements qualifiés d'identitaires. Mouvements sociaux d'avant tout. Oui, alors les mouvements sociaux sont évidemment en ligne de mire. C'est très large, c'est tellement... Oui, tout à fait. C'est-à-dire tout le monde... Mais pour rassurer son aile gauche, qui a posé, un député socialiste a posé la question en commission au ministre de l'Intérieur pour savoir justement, il s'inquiétait de la largesse, de l'universalité, on va dire, des critères retenus par cette loi sur le renseignement. Et le ministre a répondu qu'il ciblait particulièrement les milieux identitaires. Alors, il faut pas être naïf, évidemment. Il vise évidemment les milieux identitaires prioritairement, mais évidemment, ils en feront un usage extensif. Donc, les deux sont vrais, mon capitaine. Ouais. Et puis, ce qui est assez inquiétant et intéressant dans cette loi sur renseignement, évidemment, c'est que, très certainement, ils essaieront
de faire toutes les provocations, puisque là, il parlait par exemple de groupes qui feraient des agressions à la sortie des mosquées ou de lieux de culte. On pense immédiatement à l'opération de Poitiers des identitaires qui n'ont évidemment pas attendu des gens à la sortie de quelque culte que ce soit. Il s'agissait d'un pur amalgame. Il s'agit d'un. Et qui était en plus une mosquée qui en chantier. Qui était en chantier, donc c'était même pas une profanation si on le considère d'un point de vue religieux. Donc c'est. Oui, oui. Tu sais, c'est comme l'interdiction de retirer X milliers d'euros de cash, soi-disant pour nous protéger du terrorisme, alors que de plus en plus de Français repassent par la gestion de cash, bien sûr. Parce qu'ils ont des trésoreries de plus en plus ténues, et qui vont en début de mois chercher du blé pour arriver à gérer leur quotidien. Comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Bon, non mais moi j'adore Coluche, c'est un des grands philosophe du XXe siècle. Et là-dessus, il avait parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on interdit aux gens ? Le non-paiement de la TVA, quoi. On interdit le cash entre potes. Bien sûr. Viens me filer un coup de main sur mon moteur, je te file d'ailleurs, un billet. J'ai fait remarquer, puisqu'on était sur le gouvernement, que là, dans Paris, on voit partout maintenant des dépanneuses qui enlèvent les voitures. Oui. Je pense que là, c'est pire que les mois passés. C'est visible à vue d'œil. Je pense qu'ils n'ont plus du tout de pognon. Non. Et donc là, c'est Paris. Ils augmentent les quotas. Voilà, donc Paris, Lyon, Marseille, ils vont mettre le paquet parce que c'est Bordeaux, des vaches à lait. Ça s'est entendu aussi. Voilà. Ouais. Donc voilà, le gouvernement, en gros, comme le disait Xavier tout à l'heure, je pensais quand même aux abois parce qu'ils mentent effrontément. Mmh. Effrontément. C'est-à-dire que le lundi matin, ils ont été désavoués par rapport aux mensonges du dimanche soir. C'est chaud. Là, je sais que les Français sont amnésiques, mais quand même, compter sur leur amnésie du jour pour le lendemain, c'est quand même avoir des bretelles bien accrochées. Donc, on l'a déjà dit à ce micro, le français, il est lent, il est très très lent à démarrer, il lui faut 10 000 coups de pied au cul. Par contre, c'est un des rares peuples de la planète qui ne s'arrête pas au premier sang, quoi. C'est sûr. C'est les têtes au bout des pics, après. Bon, alors ça, c'était notre ami la France, qui nous fait beaucoup souffrir en ce moment. D'autres réalités, malheureusement, s'exercent aussi pour nos camarades européens. Je pense ici qu'il faut dire un mot important de la Grèce, des décisions de l'Union européenne et de la Grèce. Alors, est-ce qu'on est en train de débrancher le malade, mon cher Xavier, définitivement, c'est-à-dire on a un coma dépassé et puis on... Moi, j'ai quand même tout de même l'impression que tout concourt à dire, s'ils veulent sortir, sortons-les. Et quand j'entends Merkel, quand j'entends Hollande, j'ai plus le sentiment qu'il y ait de freins institutionnels, financiers et politiques à une disparition de la Grèce du spectre de l'Union européenne. Grexit. Alors il y a plein de choses intéressantes avec la Grèce. C'est tragique mais intéressant. C'est déjà la démonstration, mais là de façon indiscutable, immédiate, etc., de la gouvernance par l'Union européenne. C'est-à-dire que les pays européens ne sont pas gouvernés par leur gouvernement élu, mais par la Commission européenne. Là maintenant, je veux dire. Personne ne peut dire le contraire. Parce qu'on a eu. On a quand même en Grèce, on peut en penser ce qu'on veut, mais un gouvernement d'extrême gauche qui est élu de façon assez large et qui est incapable de mettre en place une seule des réformes promises parce qu'il est sous contrôle, sous tutelle, avec une laisse de la Commission européenne. Première question du groupe de Bruxelles, Xavier, jadis Troïka. Ouais. Je t'embête un peu, Xavier. Tu crois qu'ils n'auraient pas pu s'opposer, là, Cerise, Syriza, Tsipras, tête de boule, là ? Non, parce que moi, ils m'ont fait marrer. On a tous célébré, y compris au front ou ailleurs, ils ont tous célébré la victoire. Mais nous aussi ? Non, mais bien sûr. Pas moi. Très honnêtement, pas moi, parce que les petits copains de l'Aube d'Oreille m'avaient déjà averti sur les planches à savon que pouvait être, peu importe ce qu'on pense de l'Aube d'Oreille, ils m'avaient déjà dit que c'était des savonnettes prêtes à l'emploi. Eh bien, 15 jours, messieurs, dames. 15 jours de négo ont suffi à ce que 98% des revendications électorales du parti soient blanchies. Il en fera combien pour le Front National élu Parce que le programme de Syriza est autrement radical que celui du... c'est un peu ça le problème. Il faut une révolution, bande de vous, là. À un moment, il faut taper dans... Mais en tout cas, ça a mis de façon éclatante en lumière cette dépendance complète des États. Après... en effet, comme tu le dis, on voit bien qu'un gouvernement prétendument d'extrême gauche n'est pas un gouvernement révolutionnaire. Parce qu'il n'a pas rompu du jour au lendemain les ponts. C'est arrivé. Hein. On a vu l'Islande, etc., etc. Donc on voit que
l'extrême gauche qui se prétend révolutionnaire n'est peut-être pas autant qu'elle le prétend et que l'alternative, elle est peut-être encore une fois plus du côté avec tous les bémols que je mettrais autour de l'aube dorée que de Syriza. Bon, ça c'est peut-être parce qu'on était sur un programme commun des années 70 quand tu regardais le programme de Syriza. Une partie des choses proposées était quand même sur quelque chose qui s'apparentait finalement beaucoup à ce qui était proposé à un moment par la gauche française dans les années 70. C'est-à-dire que le caractère révolutionnaire, bah, c'est le romantisme que les militants de Syriza voulaient bien, et une partie des électeurs d'Occident, enfin d'Europe occidentale, voulaient bien lui prêter. Non, mais je suis d'accord, mais le problème, c'est même pas ça. C'est le côté révolutionnaire, c'est le côté de réussir à rompre avec la tutelle européenne. Oui, c'est même pas la nature de leur réforme. Ça s'arrête là. C'est même pas de savoir si leur réforme était bonne ou mauvaise, c'est qu'ils ont même pas eu le droit de les appliquer. Aucune. Surtout les couilles. Il n'y a pas le droit et les couilles. C'est-à-dire qu'on est en train, je ne sais pas si vous remarquez quand même, moi j'ai l'impression d'une vaste opération d'enfumage téléguidée par Bruxelles. Oui, mais c'est une bonne, hein, c'est une bonne idée de ce qui se passe. Derrière, on nous raconte. On nous raconte que Podemos va nous faire la même et que l'Espagne va se sauver grâce à Podemos, etc. Et puis on nous raconte qu'il y en a un peu partout, comme ça, en Europe, et qu'on va avoir une espèce d'errance de l'extrême gauche, radicale, machin. En fait, on est en train de nous vendre un scénario très simple, c'est de dire, regardez, même eux, ils n'y peuvent rien. Moi, je suis toujours sur ça, mon antienne. Moi, j'ai mon vieux truc de, vous savez, d'instiller l'être humain, il est naturellement mélancolique. Il faut le savoir, on le sait. On a une tendance naturelle à la dépression. Eh bien, si on instille régulièrement comme ça des victoires-défaites, début de conflit, coopération, et on est tout le temps avec... On passe un bout de nez au-dessus de la barre et on s'effondre. Toi, t'es en dessous. La prochaine étape de ce scénario-là. C'est la question que je pose aussi. Je me demande s'il n'y a pas un scénario global de dire ouais, on pousse les opposants, je mets 32 guillemets de chaque côté, pour mieux qu'ils se cassent la figure et s'inféodent, et genoux à terre, on explique qu'il n'y a plus d'autre solution. Regardez les Grecs. No alternative. Mesdames et messieurs, nos auditeurs, regardez les Grecs. A-t-on vu voler un cocktail Molotov récemment? Non. Oui, ça a repris. Ça a repris contre Syriza, voilà. Justement. Alors, c'est intéressant. Mais combien? 7000 personnes dans la dernière manif? Évidemment, ce qui m'intéresse, parce que Syriza justement a servi. Et voilà. A servi d'exutoire. Moi, mon idée avec mon petit neurone parano permanent, c'est de me dire, une fois qu'on a laissé Syriza manifester pendant 6 mois, faire sa pseudo-révolution, les manifs monstres, et que Syriza se fait visser le slip. Derrière, il reste 7000 mecs dans Athènes pour dire Syriza nous a trahis. C'est tout. Oui. C'est-à-dire les irréductibles gaulois, grecs du village de machin. Mais il ne reste plus personne. Et où sont les profs? Où sont les militaires avec leurs 6 mois de retraite? Avec leurs 6 mois de retard de pension? Où sont les retraités avec leur 1 an de retard de retraite? Où sont les chômeurs avec leur indemnité coupée en deux? Il n'y a plus rien en Grèce. Les gens, ils sont fatigués de lutter, là. Ils avaient voté Syriza comme dernier coup de soleil dans un paysage sombre. Là, maintenant, ils sont prêts. Moi, honnêtement, s'il fallait une stratégie, c'est pour ça que je posais vicieusement et malicieusement la question de sortie de la Grèce, c'est que là, on peut appliquer tout ce qu'on veut en programme en Grèce. Hein. Les mecs, ils vont dire « Oui, monsieur, à gauche. Oui, monsieur, à droite. Oui, monsieur, il faut monter l'escalier, descendre le pantalon. » La prochaine étape, ce sera un retour de Papandréou, qui avait... Rappelez-vous, pourquoi pas, lui qui donne des cours dans les universités du Midwest américain. Et rappelez-vous, il avait proposé un référendum, ouais. Et la commission l'a laissé sur les taux. Non, on va quand même pas faire. Il va revenir auréolé de ce référendum qu'on lui a coupé sous les pieds en disant c'est ça la prochaine étape. Ou alors, scénario, une radicalisation. Et pour le coup, un renouveau d'aube dorée. Alors, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la situation concrète des Grecs, elle ne change pas. C'est-à-dire, problème quasiment pour se nourrir, logement. Chauffage. Donc on n'est pas dans un truc à la française où finalement les gouvernements changent, mais notre situation personnelle, elle ne change pas beaucoup. Donc là, il y a possibilité, en effet, que ça bascule de l'autre côté. Alors, mais je suis très heureux de vous savoir si positif, mon cher Xavier. Ça m'arrive. Un moment d'égarement. Est-ce que quelqu'un a un putain de téléphone? Je le notoie, c'est pour ça que je le notoie, cher ami. Parce que moi, je me dis... Regarde, il sourit même. Il est vainqueur. Il est vainqueur, il a une bonne tête de vainqueur. Je me dis qu'après toutes ces épreuves, moi... Si les mecs mettent genoux à terre, je vois pas comment leur en vouloir, quoi.
Ils ont quand même marné, ça fait la crise grecque, elle est pas là depuis 6 mois, ça fait un bon moment. Ça va faire 6 ans, 7 ans. Ah oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est qu'ils n'ont pas le choix d'arrêter le combat. Je crois qu'au contraire, c'est ça aussi qui fait la différence. Je pense qu'à un moment, il y a des peuples qui ont le choix de s'auto-éteindre. Les mecs, ils coupent le rideau et ils pensent plus qu'à sauver leur propre gamelle. On verra. Mais j'ai l'impression qu'en Grèce, les mecs, ils pensent juste à comment je vais manger demain, là, tu vois. Ils pensent plus trop à comment on va faire la révolution. Que la révolution, on leur a promis. Les espoirs qu'on a fait monter autour de Syriza, toute la gauche européenne à Athènes, des grands raouts avec des lumières faramineuses. Oh, Deutschland! Non, merde, c'est la Grèce. Voilà, on en était là. Niveau d'émotion, top 100. Et derrière, douche en 15 jours. Ça fait mal, les gars. Ça rappelle quand même les traitements psychiatriques à la lance à incendie. Cette problématique très juste que tu soulèves, fondamentalement, la conclusion, c'est quoi? Bah, c'est que justement, la Grèce avait besoin peut-être d'une avant-garde radicale pour dire aux partis en place, fais très attention, ne dévie pas de la ligne que tu as vendue. Et c'est ça, justement, le rôle, l'articulation qu'il faut trouver. Ça ne sera pas une fois en soi, on est d'accord, mais l'articulation qu'il faut trouver dans les années à venir pour la France, c'est faire grossir la masse critique de cette avant-garde pour dire au Front National, attention, au moindre travers, c'est fini pour toi. Et pas que dans les urnes. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de leçons en politique. Sauf qu'on va arriver à un moment de vérité bientôt. Pas sûr que le Front National ait bien vu ce qui se passait en Grèce. Là. Mais oui, mais les Français ne sont pas les Grecs. Bon, bah alors tant mieux. Les Français ne sont pas les Grecs. Hein. Les Grecs sont très bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que juste avant le scrutin qui a porté Syriza au NU, j'avais été un peu sur les sites d'extrême gauche français, et je ne me souviens plus qui était la source, mais je crois que c'était un parti. Bon, c'était pas le PRCF, enfin c'était un parti communiste fondateur. C'était des Staliniens, enfin je sais plus exactement qui c'était, mais en tout cas. C'était intéressant parce qu'en fait ils expliquaient. C'est vraiment le drapeau français, la faucille et marteau. Ouais, je crois. C'est le PRCF ça. Je crois qu'ils avaient fait une analyse assez pertinente. Montrant justement comment Syriza en fait était une arnaque oligarchique. La preuve, c'est que si ça avait été un vote sincère, je crois, moi pour ma part, que il ne serait jamais arrivé au bout. Pas comme ça. Ils étaient quand même secondés de toutes parts. Si les élections servaient à quelque chose, ça se saurait. Il y avait longtemps qu'elles seraient interdites. Exactement. Donc voilà, je ne connais pas très bien la situation politique grecque. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais là il y avait une analyse intéressante. Il semble que finalement, la Troïka... tout le monde a trouvé ça très bien, finalement, d'avoir un bon bouc émissaire en la personne. Ouais, exactement. Mais c'est une bonne leçon, justement, pour rappeler à tous nos camarades de ne pas entretenir trop d'espoir sur l'élection et de penser qu'on est... Non, c'est pas une question d'espoir. Il faut avoir aucun espoir. Il faut le faire sans aucune espérance mal placée. En revanche... Il faut le faire avec grand sérieux. Fais ce que tu dois. Il faut faire tout ce qui est nécessaire. Oui, le problème, c'est que dans cette attitude, si tu veux, je ne voudrais pas que cette attitude soit démobilisatrice sur le plan du terrain. Il faut aller faire les campagnes et il faut les faire les yeux grands ouverts. Oui, mais tu veux que je te dise. Il faut faire les choses sous son propre étendard en défendant ce à quoi on croit. Si on est obligé de cacher la moitié de ce qu'on est, les trois quarts de ce qu'on veut pour pouvoir avoir, c'est pas la peine de le faire parce qu'on gagnera jamais. On gagne que sous sa bannière. Donc si le front veut de nous en tant que ce qu'on est, ok, mais si, faire de l'entrisme ça ne marche pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, parce que moi je l'ai vu aux élections. Je me suis fait prendre aussi par le jeu, quoi. J'entendais 30%, etc. T'entendais dans les bistrots, les gens. Ça m'a pas excité, je sais pas. Et tu dis, putain, il va se passer quelque chose. Il se passe rien, et donc t'es déçu, et donc t'es découragé. Mais non, on s'en fout. Ça change pas nos positions, ça change pas le travail qu'il faut faire au quotidien, qu'il faut faire parallèlement à tout ça. Parallèlement. En effet, il faut rien abandonner, pas le thème électoral, mais il faut continuer à faire autre chose. Alors moi, je rajouterais un truc, je suis d'accord qu'il faille faire les deux. Je rajouterais juste un truc, faire la campagne, ouais, faire les campagnes et les villes, même sans nos couleurs, simplement en s'inscrivant dans le paysage. On se demande toujours ce que les radicaux doivent faire, etc. Nous, on a des militants au masque qui sont dans des associations de village, qui nettoient les fossés, qui participent à la fête du village, qui remontent la statue de l'école qui était fatiguée, etc. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Là, il n'y a plus personne. On veut vivre une radicalité, vivons-la au milieu des terroirs. Bien sûr, il n'y a pas de casse politique, on n'est pas sur un tamis. Après, quand il faut voter, c'est mécanique, il n'y a pas de problème, on vote. Mais on n'espère pas après le vote. On peut se dire surtout une chose, c'est qu'à un moment, si on n'est pas bête, on...
ce qu'on vient de faire là. Il faut que les gens de chez nous soient candidats. Attends, mais je finis. Drainer les fossés du village, participer aux réunions cantonales, machin, etc. Bidule. Quelques années après, tu dis, bon, les gars, allez, on tourne la page, c'est à moi de parler maintenant. C'est moi le boss ici, je me présente. Ah ouais, mais ça fait 10 ans qu'il est là, regarde, c'est un petit jeune dynamique de la commune. Est-ce qu'on nous jugera sur une étiquette politique, sur des principes, non, sur de la métapo, ou est-ce qu'on va nous juger simplement sur notre capacité à incarner, sur notre capacité vitale à incarner ce que nous portons comme principe? Je pense qu'aujourd'hui, les mots, il y en a beaucoup. Les étiquettes, il y en a énormément. Le discours, la métapo, on en a mais alors, une indigestion. Par contre, le fait d'être dans sa commune, bonjour madame, bonjour monsieur, moi je suis pas d'accord. Mais être candidat, c'est ça. Le maire est un crevard. C'est ça que tu veux pas reconnaître. C'est que aujourd'hui, être candidat à une mairie ou à un canton. Depuis combien de temps ça a été oublié? Non mais attends, je suis d'accord. Et au scrutin local, je parle. Au national, c'est que des nous, on n'a pas une culture électoraliste, on l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut que ce soit des gens de chez nous qui y aillent. Parce qu'il faut incarner, tu as raison, mais en revanche, il faut pas envoyer les gens, je veux dire, au casse-pipe. Non. Je m'explique. Demander aux gens d'incarner quelque chose pendant des années, en espérant de cela un résultat politique, c'est à mon avis suicidaire. C'est exactement la même chose que ce que les Mao ont demandé aux lycéens ou aux étudiants dans les années 70, en leur demandant d'aller dans les usines pour créer des comités de lutte radicales, extra-syndicales. Et comme tu cites Mao, on reste en Chine, je te réponds Sun Tzu, l'armée ennemie, tu la prends parce que tu l'as aux deux tiers subjuguée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre une élection, tu as besoin d'un travail quotidien local. D'accord. Moi, je veux pas qu'on fasse l'élection, c'est le bonus. Non, on est d'accord. Les élections, c'est le bonus. Mais le problème, c'est qu'il faut pas... Je veux dire, moi, j'ai été dans des organisations extra-parlementaires pendant des années et je le regrette pour une raison simple, c'est que même s'il est très important que les militants aient une formation extra-parlementaire, justement, en ayant conscience que le temps... Enfin, extra-parlementaire, non, mais c'est que la majorité temps. Mais du oui. temps. Mais que, oui, c'est tout à fait ça. Comprendre que le travail... Extra-parlementaire, que le travail, il n'y a que deux élus... Que le travail... Non, mais quand je dis parlementaire, t'as bien compris, c'est toutes les assemblées. Que, l'objectif que l'objectif n'est pas un objectif électoral, il faut que tous les militants en soient évidemment entièrement pénétrés. En revanche, on ne peut pas se retirer des élections parce que c'est à ce moment-là, malheureusement, que notre peuple s'intéresse à la politique. C'est tout ce que je dis. Ah mais on est bien d'accord. Enfin, notre peuple, la moitié du peuple votant. Ça c'est déjà beaucoup. Ah, si tous les militants doivent être pénétrés, ça fait du travail pour Philippot quand même. Ouais. Et... Ouais. Très bien. Ouais, il peut convoquer une armée. Hein. Très bien. Bon, ça me laisse sans voix. Je crois que ça ratait pas. Mais... avec le Front National. Hein non. Non mais le problème, à mon avis, c'est que on peut aller encore une fois. Mais si le préalable, c'est de dire, ok, tu viens chez nous. Mais c'est toi qui viens en suppliant, c'est toi qui viens en demandant quelque chose. Non, on y va tout simplement. Point. Donc, tu arrêtes de passer à Méridien Zéro parce que c'est trop radical. Bah, tu n'écris pas dans un journal qui n'est pas un journal du parti, etc. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe à Jean-Louis. Jean-Louis peut vous le dire. Parce que dans ce cas-là, tu deviens comme eux. Non, attendez. Tu ne tires pas vers toi, c'est toi qui te tire vers eux. Et dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Jean-Louis peut vous le dire, puisqu'on en a discuté au téléphone il n'y a pas longtemps. On avait ici des gens qui intervenaient à ce micro. Et qui, depuis la campagne, ont disparu. Nous sommes d'accord. Même un petit peu avant. Précautionneusement, parce qu'ils étaient en campagne, on les a perdus. C'est fini. De bons animateurs, de bons occasionnels, voilà. Bah, c'est toujours des camarades. Voilà, sont toujours des gens très sympas. La réalité, et si c'est déjà comme ça, qu'est-ce que ce sera le jour où ils seront élus? Parce qu'on leur mettra le jour. Ça va aller où les compromissions? On arrête MZ, on fait des trucs sérieux. On est bien d'accord. Alors, messieurs. En attendant, juste pour finir quand même. On peut quand même compter les jours maintenant qui nous séparent d'une sortie de la Grèce. Oui, c'est quand? C'est le 14 avril de la zone, de la zone euro. Il y a un Tarbourg qu'on va compter. Le 11 avril. La zone euro, tout je à fait. Je crois pas que ça arrivera. C'est le 11 avril, non? Je pense que ça crée un précédent et ça crée une possibilité. Là, et donc, c'est plutôt néfaste pour le système. Tous les voyants. Et ben, tous les voyants sont ouverts dans les déclarations, dans tout, pour dire que. On va pas non à plus part un geste final du FMI pour relancer la cagnotte, ce qui me paraît très difficile parce que la garde a dit qu'elle avait plus un radis. Mais c'est presque souhaitable, de toute façon. Mais non, alors je ne sais pas. Il faut aller au bout. Je ne sais pas, mais ce qui m'ennuie, moi, dans l'équation, c'est qu'il me manque un truc. Non, mais il y a eu une attaque. Dinofi a dit à ce micro. On est bien d'accord. La Grèce a été le maillon faible qui a été attaqué par les marchés parce que le dollar est dans une position extrêmement délicate. Et il fallait gagner contre... Parce que c'est un jeu d'équilibre. Il fallait rééquilibrer. Il fallait rééquilibrer. Donc, pour équilibrer, au lieu de redresser les États-Unis, ce qui n'est pas possible, puisqu'ils sont en fin de course,
il vaut mieux faire baisser un autre marché. Ouais. Donc ils ont attaqué l'euro. Ouais. Moi qui suis pourtant pas un partisan de l'euro, je dois reconnaître que ça c'est l'évidence. Et donc c'est-à-dire que les milieux financiers américains... Bah, on l'a vu avec la baisse de l'euro. Attaqué. Ouais, évidemment. Là quand on a dit on va éviter la désinflation en Espagne ou on va éviter la désinflation en Italie, je rappelle la désinflation, c'est une croissance négative des prix, c'est-à-dire que les prix ne cessent de baisser à l'achat. Voilà, c'est aussi dommageable qu'une inflation. Hein, il faut le savoir. C'est même pire d'ailleurs. Je pense qu'on sort très mal d'une désinflation. Oui, parce que ça veut dire qu'on vend moins cher que ce qu'on a fabriqué. Voilà. Quand même, donc en fait, au bout d'un moment, on vend plus, on recrute plus et on licencie. Donc il y a une spirale terrible derrière. Donc, c'est-à-dire que quand tu vends un truc que tu as fabriqué, tu perds du pognon. Oui. Et puis donc au bout d'un moment, tu bloques les salaires et deuxième étape, tu évidemment licencies. Bon. Et le mec qui est licencié, il peut encore moins acheter. Et on est parti. C'est la situation actuelle, quoi. En France, on est dans une déflation. Ouais, on est avant la désinflation. En Espagne, on y est déjà en désinflation. En Italie, on commence aussi. Bon. La Grèce, c'est cuit. Bon. Est-ce qu'on n'est pas, messieurs, dans une stratégie ? Moi, j'aime pas l'air ravi de Merkel et Hollande en disant « ils veulent sortir, ils sortent ». Je me dis toujours, ces enfoirés, ils ont prévu un scénario d'après-crise. Ou d'après sortie de... Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils à mon avis. Ouais. Mais il y a un truc. C'est exactement ils comme sont l'air déponer. Mais j'ai été dire, selon moi, et c'est la raison pour laquelle je suis à la fois très... moi qui suis un adversaire de l'euro, je suis très inquiet de la sortie de la Grèce, alors que j'ai, jusqu'à une date assez récente, je l'attendais avec impatience, me disant que ce serait l'effet domino. Et en fait, je me rends compte que ce sera le contraire. Je m'explique. J'ai l'impression qu'on m'explique. On est dans la montgolfière. Il faut larguer. Après, t'as la Macédoine, après, t'as la Bulgarie, t'en as 3-4 comme ça que tu largues et tu remontes d'un coup. Mais exactement. Symboliquement, c'est quand même. En fait, ils veulent sauver le centre. Ah bah, le cœur de l'Europe, mais on sait quand même très fort. Ils sacrifieront la périphérie pour sauver le centre. Voilà. Pour qui, Xavier? Qui reconnaît encore dans la Grèce le symbole de l'Europe, à part les hellénistes? Non, mais déjà, ça prouve la possibilité de sortir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est quasiment interdit. Mais ça, t'as l'armée européenne qui va venir si jamais tu veux sortir. Je suis pas d'accord du tout. Donc ça crée un précédent. Tu sais pourquoi? Parce que la sortie, elle est autorisée, tu sais pourquoi? Après toutes les cures d'austérité qui ont été établies, tout le monde a pris sa trempe en Irlande, en Angleterre. Tout le monde a pris sa fessée, sa cure d'austérité en disant, avec les jobs à 800 euros, etc. Les mecs, tu sers à un Irlandais, maintenant la sortie de la Grèce, ça ne lui fera plus rien. Tu lui aurais servi ça il y a 5 ans, il aurait dit, oh, on peut peut-être sortir. Oui. Mais là, depuis 5 ans, s'est fait verrouiller la tronche, le portugais, etc. Personne ne sort de l'euro. On est viré de l'euro. Oui, on est viré. Mais pas de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir. Mais pas de l'Union européenne. Attendez, ça fait une énorme différence. Ouais. Moi, j'étais partisan de la sortie de la Grèce, de l'euro, d'abord parce que ça aurait été un scénario à l'Argentine, c'est-à-dire qu'en 10 ans, la Grèce... Attention, si tout va bien. Parce qu'on aurait pu imaginer aussi l'Union européenne attaquant la Grèce. Je suis sûr que Syriza, malgré tous ses défauts, aurait consulté les Argentins et aurait demandé comment on fait. Et on a vu des interviews des Argentins qui ont redressé leur pays. Bien sûr. Bon, ou même de l'Islande, qui a des solutions assez hétérodoxes, absolument. La Suisse. Je dis simplement ceci. Je dis que oui, sortie de la Grèce de l'euro, très bien, c'était une très bonne nouvelle, parce que ça a envoyé un signal à tout le monde. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas ça. Et oui, on ne sort pas de l'euro, on est viré de l'euro. C'est Honecker confisquant les passeports des Allemands de l'Est expulsés pour dire que c'est bien lui, enfin demandant à sortir, exactement, pour dire que c'est lui qui les a expulsés, c'est pas eux qui sont partis. Exactement. Et là, en gros, il a perdu, mais il a gagné. Et c'est pas la même chose, parce que le monde entier se dira, après, les Irlandais, les Espagnols, les Portugais, etc., se diront, en fait, lui, là, il est au coin, mais nous, on veut plus du tout aller au coin. Attends, on ne le saura que dans 10 ans. Dans 10 ans, la Grèce nous racontera comment ils ont reconstruit leur pays. Non, mais attends, c'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de symbolique, c'est que derrière, les mecs, tu dis la presse irlandaise ou autre, ils se disent, ouf, on s'est sauvés du scénario grec. Exactement. Tous. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que derrière, c'est un bouc émissaire. On te fout au piqué. Absolument. Tu es le paria. En fait, le message, il est extrêmement simple. L'euro ou le tiers-monde? C'est tout. C'est ce qu'on a prévu pour la Grèce. Alors la Grèce est en coma dépassé sur leur schéma de notation, elle est en coma dépassée depuis 3-4 ans. Mais en gros, c'est l'euro ou le tiers-monde. Là, ils ont repris. Ils vont enfiler les immigrés, ça va être le chaos ethnique en Grèce, machin. Oui. Ils vont bloquer la frontière au nord de la Grèce. Ils vont s'appuyer sur la Turquie, pourquoi pas. Enfin, il peut y avoir des jeux de contournement assez drôles. On peut rigoler, tiens, il y a une place qui est laissée vacante. Voilà. Il peut y avoir tout un tas de scénars assez drôles, mais je... Et d'autre part, comme le disait Jean-Louis, l'air du ravi de la crèche de Hollande me fait craindre le pire sur cette il est un peu sur tous les dossiers, donc c'est un peu difficile de déterminer lesquels sont sensibles ou pas. À gauche, etc.
Mais comme le disait Jean-Louis, le truc, c'est qu'il sortirait éventuellement de l'euro, mais pas de l'Europe. Ah non, pas en plus, c'est pas une sortie de l'Union Européenne ni de l'Europe. Donc, c'est-à-dire que Schengen, tout ça, ça continue. Ouais. Et donc, c'est cadeau pour tout le monde. Quoi. Ouais, c'est bonus. C'est tout à fait bonus, on est bien d'accord. J'avais justement une petite question, parce que combien nous reste-t-il, mon cher 6 minutes. Alors, pour parler de l'évolution des conflits de type Irak, Syrie, ISIS, etc., on va être un peu bloqué. Simplement, on peut évoquer... Les musulmans sont méchants. Voilà. Ça fait un résumé. Ah. J'aime bien ton truc, ça fait un peu les envahisseurs avec David Vincent. Si, on peut évoquer cette espèce de campagne médiatique parfaitement débile qui a été faite sur les trois curés qui faisaient un concert pour les chrétiens d'Orient. Oui, c'est ce qu'on appelle. Je crois que le groupe s'appelle Les Prêtres. Ouais, Les Prêtres. Bon, les mecs sont les premiers. Enfin, je rappelle que les chrétiens d'Orient, c'est pas un mouvement combattant. Hein. C'est juste des victimes, des débiles en short, parce que c'est ça les salafistes. Hein. Des débiles en short et barbe longue, là, avec les têtes de Rahan, qui décapitent tout le monde. Non, mais attends, c'est Rahan en short. Bon. Sous coquin. C'est pas seulement les chrétiens d'Orient. Comment s'appelle le truc là? Enfin, voilà l'idée quoi. Non, c'est pas la kétamine, c'est une autre. Si, kétamine, je crois, c'est ça. Moi, je dis en gros. C'est ça, c'est ce que nous avions dit. Tu recrutes un mec de la banlieue qui viole, qui pille, qui tue. Tu lui fais pousser la barbe, il viole, il pille, il tue. C'est vachement sympa le salafisme en fait. C'est l'école des voyous à la Wakbar. Bon, bref. Tout ça pour dire que donc, le patron de la RATP. Métrobus, pour être plus précis. Et Métrobus, oui, mais avec sa volonté. Donc Métrobus qui est la régie publicitaire de la RATP. On fait retirer les affiches au nom du principe de laïcité. Donc, ce qui est très intéressant. Pas du tout voilà, métro, ce qui est très intéressant pour ce qui est très intéressant pour tous ceux qui fréquentent de temps en temps le réseau métro RER parisien et qui voient la gueule des conducteurs de bus, de train, les poinçonneurs des lilas qui sont les poinçonneurs des lilas Akbar. Enfin bref, hein, des mecs avec des pantalons trop courts, des vestes trop longues, des chemises qui sortent du pantalon, qui disparaissent derrière le guichet à l'heure de la prière, etc., etc. Donc on remercie le PDG, le cagole en chef là, il s'en va bientôt. Lui. Il s'en va bientôt. Oui. Il s'en va bientôt. Mon Jean, il voilà. Mon Jean de départ, je suppose. Ah. Pour la route. Voilà, on est juste. Bah, service rendu. Il faut payer son ticket. Bien sûr. On ne perd jamais au casino. Voyons. Au Monopoly, pardon. Tout ça pour dire que cette campagne est assez démonstrative de la gestion que la France fait de ces conflits, Irak et Syrie, parce qu'elle est, je crois, pratiquement la dernière puissance, si mes souvenirs sont bons, j'ai regardé la semaine dernière, à soutenir encore la rébellion. Oui. Plus personne, y compris les États-Unis. Les Américains ont déclaré il y a trois semaines qu'il serait important de reconclure de réouvrir un débat avec Bachar al-Assad. Mais cela dit, dans le même temps, il y a quand même des parachutages d'armes qui sont faits au profit de Daesh. Jusqu'à on est bien d'accord, jusqu'à une date récente. Mais c'est vrai qu'on se souvient tous de l'affaire des députés français là, qui revenaient de Damas et qui s'étaient fait tirer les oreilles par le secrétaire général du Parti Socialiste. Comment il s'appelle déjà? Cambadélis. Cambadélis. Et ça a changé, c'est plus Harlem Désir. Bon, ça a changé il y a un bout de temps. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un examen remplace l'autre. C'est ça. Et donc ils étaient punis, donc privés de dessert, tout ça. Et donc on apprend que John Kerry accepte. Enfin, propose, ouvre le dialogue avec Bachar el-Assad, même pas une semaine après l'histoire des députés. Ouais, extraordinaire. Bon. Ce que refuse Fabius via Hollande. La France étant totalement aux mains du Qatar, apparemment, on sera les derniers à se rallier à une solution pragmatique. Moi, je dois juste dire une chose sur l'histoire de la RATP, c'est que pour moi, c'est symptomatique des démissions et des lâchetés individuelles. Je suis même pas sûr que la personne qui a pris cette décision, elle ait reçu un ordre. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui tient parce que tout le monde est dans l'autocensure, dans la peur et dans la lâcheté. Les militaires qui refusent. On n'a pas eu de généraux qui démissionnent pour des parce que voilà. Que dalle. Et en fait, le système. Ils ont menacé. Dire c'est un système auquel on peut rien, le système est la somme de nos démissions et de nos lâchetés. Et à chacun à sa place, à sa petite place, en disant oui, ça sert à rien parce que de toute façon prendre position et de prendre ses décisions. Parce qu'ils ne tiennent que par ça. Parce que tout le monde est lâche, tout le monde démissionne, tout le monde refuse. Mais un jour, on nous serine avec l'autre grand con, là, l'homme qui a dit non, etc. Ben, à un moment, disons non, assumons-nous. Le jour où il y aura des acteurs, des auteurs
qui assumeront d'être du front, de voter Front National, etc. Même des gens comme Zemmour, ils osent pas dire. Soutien Jean Roucas. Ou alors soutien intégral à Jean Roucas. Ou alors les gens ils attendent d'avoir plus rien à perdre, d'avoir quatre Roucas, d'avoir quatre. Voilà, exactement. Mais prenons nos responsabilités personnelles, faisons nos coming out. Faut faire comme il faut faire comme les gays. Faisons nos coming out dans nos boulots, dans nos etc. Et là, moi, je suis même suspendu de mon boulot pour avoir été coming gay. Hein. Tout va bien, les gars. T'as été outé par d'autres. Ah, tu aurais dû dire que tout s'est bien passé, comme ça, ça aurait encouragé d'autres. Ouais, non, ça s'est bien, mais non, mais ça s'est bien passé puisqu'on me conserve ma solde. Mais je pense vraiment que c'est ça le fondement d'une vraie révolution, c'est assumons-nous. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. À tout le niveau, au boulot, dans la famille, etc. Sûr, assumons-nous, et là, on gagnera plus sûrement qu'avec Marine et sa cour des miracles. Quoi. Et arrêtez de vous flouter sur Internet, merci. Non, c'est un petit mot. Je précise, pour le sujet de la RATP, je préférais que le lobby catho se mobilise toute l'année contre l'ultralibéralisme, contre le capitalisme, contre des sujets de société bien plus, on va dire, premiers et essentiels. Des petites choses symboliques, quoi. Ouais, parce que t'espères en gagner quelque chose dans le Mikato, ce qui est... Une levée de bouclier soudaine. On va pas ouvrir ce débat. Une erreur politique majeure. Justement, parce que là, avec Xavier, on a un panzer. Hein, bon, voilà. Je pense que le Mikato est très fort en ce qui s'agit de mobiliser. On est parfaitement d'accord sur le message. C'est le problème de focal. Parce que Kala bénisse la France, on se souvient des... Ouais, bien sûr. Proposé, bref. On est bien d'accord là-dessus. C'est un sujet. Messieurs, je crois qu'on arrive, vraiment à échéance. Oui, monsieur K. Bah, puisqu'on en était au lobby catho, j'avais une proposition à faire, une proposition très simple. Certains esprits chagrins se plaignent de la construction de mosquées en France. Ils ont grand raison. La France n'est pas un terrain vague. Et souvent, on entend dire aussi ici et là qu'on pleure la destruction de telle ou telle église. Je propose aux Parisiens et aux Franciliens de se retrouver dimanche prochain, le 5 avril, donc dans deux jours, à 10h devant l'église Sainte-Rita, au 27 rue François Bonvin, dans le 15e arrondissement métro Sèvres-le-Courbe. Je répète, donc 27 rue François Bonvin, puisque l'église Sainte-Rita, qui est une église anglicane aujourd'hui, mais qui a été catholique et sans doute le redeviendra prochainement, est menacée de destruction pour y construire des logements sociaux, on en parlait tout à l'heure avec Adrien. Comme des centaines d'églises en France. Et des parkings. Des logements ratios, on dirait. Et c'est un païen qui vous dit ça. Voilà, donc des logements ratios et un parking. Un logement ratio. Ah oui, ben c'est ça dont il s'agit. J'adore logement ratio. Donc je propose à tous ces catholiques chagrins de donner l'exemple. Et pas que d'ailleurs. À tous nos amis. Qui aiment le patrimoine culturel et religieux. On se dresse évidemment ici principalement pour la sauvegarde d'un objet de patrimoine du 15e arrondissement. Bien sûr, c'est notre histoire. Qui en plus a des spécificités architecturales précieuses, puisque c'est la première église qui a été construite avec du béton de ce type-là, qui a permis ensuite la construction, par exemple, du Sacré-Cœur de Montmartre. Oui, bien sûr. Hein. Donc c'est à la fois un lieu de patrimoine, un lieu de vie du 15e arrondissement, un lieu de spiritualité. Donc tous les camarades qui sont attendus dimanche à 10h devant l'église Sainte-Rita. Ah, et puis elle a un nom sympa, Sainte-Rita. Ouais. Oui. Sainte-Rita, patronne des causes désespérées. Voilà. Ah ouais, en plus, donc, si on n'en est pas eu. Ça me la rend tout de suite sympathique, cette fois. Ouais, exact. Ouais. Donc vraiment, vous êtes tous attendus là. Montrez-nous, tous ces esprits chagrins, montrez-nous que vous serez là pour allez, faire une chose... Allez, un peu de ferveur et de vindicte. Voilà, une œuvre utile. Voilà. Monsieur Aimant, vous vouliez parler du colloque Iliade sur l'esthétique européenne du 25. Inviter tous les camarades à se mobiliser et à venir en nombre au premier colloque de l'Iliade. C'est le premier colloque. C'est le premier thématique. C'est le premier en son nom. Il y a eu le colloque d'hommage à... Vous avez raison tous les deux. Donc, c'était complètement inutile de m'interrompre. Mais... le colloque de l'Iliade du 25 avril à 14h à la Maison de la Chimie à Paris, donc dans un très beau lieu au centre de Paris. J'invite vraiment tout le monde à se déplacer, évidemment pour la qualité des interventions qu'ils pourront entendre, celles de Alain de Benoît, Slobodan Despot, des camarades européens qui présenteront des grands lieux du patrimoine européen, etc. Donc évidemment pour cela, mais aussi pour se retrouver entre camarades. C'est toujours des occasions de se réunir, d'échanger. C'est un événement important du combat culturel dont on parle souvent, mais là on a l'occasion de le concrétiser.
Donc, pas d'absent le samedi 25 avril, 14h, Maison de la Chimie. Vous trouvez toutes les indications sur Internet. Mais vraiment, il faut être là. Ça va être un grand moment. D'autant plus que la revue, l'excellente revue Libre Arbitre, publie numéro spécial à cette occasion. Dans lequel vous pourrez retrouver les interventions, mais également une sélection de textes sur le patrimoine européen. Donc une raison supplémentaire de se rendre à cet événement important. Et puis nous, on est aussi tous là. Se rencontrer, une réunion mammifère, comme dirait mon camarade Romain Le Cap. Exactement. Qui est important, ça change un peu des réseaux sociaux. Quand donc, il dit ça, il copie, il pompe honteusement Jean-Yves Le Gallou. Oui, c'est vrai. Même justement, si vous avez des critiques et des ajustements à faire par rapport à ce qu'on a dit ou ce qu'on dit à l'antenne, c'est l'occasion de se rencontrer. Rencontrer et de. Voilà. Plutôt que de s'insulter via Facebook. Bon, juste pour vous dire que effectivement, non seulement MZ y sera, puisque je crois qu'on y envoie une délégation pour faire du micro trottoir. Je crois qu'on fait partie. Oui, c'est vrai, j'y suis aussi. Mais j'y suis aussi au titre du MAS, puisque presque une dizaine de nos sections, on aura une dizaine d'envoyés des diverses sections qui seront là, 10 sections représentées, donc on y sera en masse. Bref. Voilà, pour vous dire que c'est une excellente occasion de se voir. À noter un anniversaire sanglant, un anniversaire très difficile pour l'histoire de l'Europe. C'est le 24 avril aussi, qui n'est pas à escamoter. C'est le 100e anniversaire, si je puis dire, en tout cas la 100e célébration du génocide arménien. Génocide toujours en difficulté de reconnaissance dans bon nombre de pays, dont la Turquie. Génocide effroyable qui en a préfiguré d'autres et dont les manettes ont été tirées par tout un tas de gens. Bref, on en refera une émission là-dessus sur le génocide arménien. Il y a beaucoup de choses à dire. Sachez simplement que c'est le 100e anniversaire et il y a une pensée pour eux. Il y a des génocides estampillés Mickey qui sont surexposés et d'autres un peu moins. Voilà. Messieurs, oui. Bah, une dernière annonce quand même, dans une dizaine de jours normalement devrait voir le jour la première la première émission intitulée Orage d'acier, qui sera animée par l'aile droite du mouvement révolutionnaire, des jeunes conservateurs, donc qui animeront cette émission vous retrouverez sur le blog également de MZ et sur le blog Orage d'acier. Je te rassure tout de suite, Xavier, il y aura une aile gauche aussi que j'animerai si tu veux. C'est une excellente initiative et on est très heureux de voir les premières émissions germer. Qui en appelle d'autres ? On a un projet éditorial assez vaste là-dessus, donc on appelle tous nos auditeurs fanas de radio à se mobiliser autour de l'idée d'émissions courtes et moins courtes en région ou thématiques. Faites-nous part de vos idées. On est preneurs et recruteurs. Voilà. Messieurs, je vous remercie de cette excellente émission, une fois de plus. Je salue tous nos auditeurs. C'était le lieutenant Schtourm à la barre de cette émission de Méridien Zéro, de ce panorama actuel largement consacré aux élections. Messieurs, je vous salue et je vous dis surtout à l'abordage et pas de quartier.